Shalom, shalom, soyez bénis, je suis le prophète Joël Krasso, maréchal. Le thème du jour, comment être délivré, n'est-ce pas, de la malédiction ancestrale. Et ça, c'est beaucoup très important. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous fatigue, c'est ça, nos autels. Tout ce que les parents ont fait dans le passé, ça nous fatigue. Et ça fait que ça met beaucoup de soucis dans la vie des bien-aimés. Et tant même dans le Seigneur, ça nous crée des problèmes. Et tant même dans le Seigneur, tu es même chrétien et tu as les problèmes. Tu pries même, tu as les problèmes. Le problème, c'est quoi? C'est un problème d'esprit. Rattaché à ta famille, rattaché à ta région, rattaché à ton village, rattaché, n'est-ce pas, à ta génération. Il y a d'autres mecs qui disent une fête générationnelle. Vous comprenez? Il y a des gens, une certaine génération, ils doivent fêter une fête. Vous comprenez? Ils fêtent une fête générationnelle. Mais tout ça, là, il y a toujours des sacrifices que vous immolez. Il y a toujours des offrandes que vous essayez de faire à votre Dieu, malheureusement. Et ces offrandes-là, quand ce n'est pas fait à Dieu, c'est fait aux esprits. Et ces esprits-là, quand vous faites ça, ça constitue comme un autel maléfique dans votre vie et ça vous poursuit. Ça vous poursuit de génération en génération, n'est-ce pas? Et c'est dangereux. Il y a des gens dans leur village, dans leur famille, le mariage, ce n'est pas fait pour eux. Tout ce qui est mariage n'est pas fait pour eux. Alors, c'est pour ça qu'avant de te marier, il faut essayer de voir les antécédents spirituels de ton époux et ton épouse. Essaye de voir le monsieur, qu'est-ce qui s'est passé dans sa famille. Parce que c'est important. Parce que si vous n'avez pas ça dans votre tête, vous allez voir que vous mariez quelqu'un, vous avez marié quelqu'un qui a des esprits. N'est-ce pas? Ce n'est pas fait pour sa famille. C'est-à-dire qu'il n'est pas fait pour se marier. Donc, quand il se marie, vous êtes fiancé, c'est bon. Les fiançailles marchent, les fiançailles marchent, les fiançailles, c'est bon. Vous voyagez, vous baladez, tout ça, tout est bon. Mais en ce qui concerne le mariage, à un moment donné, quand vous rentrez dans le mariage, tout devient bizarre. Quand on parle de mariage, tout devient bizarre. C'est comme la femme aussi. Elle n'est pas faite pour être mariée. Dans leur famille, ce n'est pas fait pour le mariage. Quand vous rentrez dans le problème de mariage, tout devient bizarre. Quand vous êtes fiancé, tout est bon. On se sourit, on se balade, on voyage, tout est bon. Bon, nous allons essayer de voir ça, n'est-ce pas? Nous allons essayer de voir ça par la grâce de Dieu. Dans le livre de Jean, le chapitre 4, prenez la parole de Dieu, le livre de Jean, le chapitre 4, à partir du verset 4. Écoutez-moi, prenez la Bible, pour que Dieu nous délivre. Voilà. Alors, Jean, chapitre 4, à partir du verset 4. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie. Nommée Sichar. Près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Très bien. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué de voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. La femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit. La femme de Samarie vient puiser de l'eau, Jésus lui dit. Donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit. Comment toi qui es juive. Me demandes-tu à boire? Parce que vous les juifs là, avec notre tradition, c'est pas pareil. À moi qui suis femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Ah non, 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 n'ont pas de rapport avec les Samaritains. Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. Tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Le Seigneur lui dit à la femme. Tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob? Regarde comment il joue le Seigneur. Qui nous a donné ce puits, et fils, et ses troupeaux. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Très bien. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui-même source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. La femme lui dit, « Seigneur, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, que je ne vienne plus puiser ici. » Et que je ne vienne plus puiser ici. Écoutez, hein? Écoutez très bien. Bah, hey, écoutez, écoutez bien maintenant. La chose va commencer. Va lui dire Jésus, appelle ton mari et viens ici. Très bien, voici le problème va démarrer. Voici la révélation. Jésus dit à cette femme, va appeler ton mari et viens ici. La femme répondit. Je n'ai point de mari. Jésus lui dit. Tu as eu raison. Car tu as eu 5 maris. Et celui. Tu as eu combien? Tu as eu 5 maris. Et celui mari en... non. Tu as eu 5 maris. Et que tu as maintenant. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Très bien. Il y a des femmes que Jésus rencontre. Et cette femme, Jésus rencontre, elle a eu 5 maris. 5 maris, ça veut dire quoi? Elle a eu d'abord un premier mariage, ça n'a pas marché. Vous comprenez? Elle en a eu deuxième mariage, ça n'a pas marché. Les antécédents spirituels de votre époux et épouse, vous devez chercher à savoir. Les antécédents spirituels, le monsieur que tu dois marier là, qu'est-ce qui se passe dans leur famille? Est-ce qu'il y a fait des mariages dedans? Est-ce qu'on se marie dedans? Parce qu'il y a des esprits dans les familles qui combattent les mariages. La Bible dit, Jésus dit, tu en as eu 5 maris. Premier mari, ça n'a pas marché. Deuxième, ça n'a pas marché. Troisième, ça n'a pas marché. Quatrième, ça n'a pas marché. Cinquième, ça n'a pas marché. Bon, elle aussi, à cause de Goumen, comme elle veut gérer la nuit, elle avait quelqu'un qui vient tous les soirs s'amuser avec elle. Vous lui faites l'amour. Mais elle ne peut pas rester comme ça. Vous comprenez? Donc tout ce qui est marié à cette femme samaritaine-là, ça ne rentre pas. C'est comme ça dans la vie de certaines personnes. Vous comprenez? Ils ont les esprits dans leur famille. Et dans leur famille, il n'y a pas de mariage. Vous comprenez? Il n'y a pas de mariage. Vous savez, quand il y a des familles, genre la royauté ou un chef, la plupart des femmes, quand vous mariez une femme, et dans leur famille, c'est une question de royauté ou chef. Les femmes, là, elles ne sont jamais soumises. Elles n'aiment jamais se soumettre aux hommes. Elles aiment toujours dominer. C'est la domination. C'est-à-dire elles aiment dominer. Voilà. Ce n'est pas de sa faute. Ce sont les esprits, là. Or, la Bible dit la femme doit être soumise. Il n'a pas dit la femme doit être esclave, mais la femme doit être soumise. Vous comprenez? Donc, il y a des esprits dans les familles. C'est pour ça que regardez les antécédents de votre truc. Regardez sa maman. Est-ce qu'elle a été mariée? Posez-vous la question. Parce que quand vous regardez la maman, c'est comment? C'est comment? Sa maman était mariée? Non. C'est qu'il y a quelque chose qui est bizarre. Il y a des gens, vous voyez, dans leur famille, tout ce qui est mariage, ce n'est pas fait pour eux. Jésus rencontre une femme et elle en a eu 5 maris. Vous pensez que c'est sa faute? Non. Mais ce sont des esprits. Il y a des esprits familiaux, il y a des esprits de famille qui font que le mariage n'existe pas dans certaines personnes. Chez certaines personnes. Vous commencez bien le mariage, mais arrivé à un moment donné, ta vie devient, ça dit, ton mari te regarde, on peut dire, chérie, ça va? On peut parler un peu? Je ne t'aime plus, je ne ressens plus rien pour toi. Goumen de ça. Goumen de ça, Goumen! Goumen de ça. C'est pas de sa faute, hein? C'est pas de sa faute. Ce sont les esprits familiaux, là, qui combattent ton mariage. Parce que dans ta famille, on ne doit pas se marier. Vous savez, le vrai problème de l'Afrique, c'est tout ce qui nos adorations, nos esprits qu'on adorait dans les familles. Regardez, un Africain, quand il naît, dans ma région par exemple, je poursuis des études, si vous voulez, des renseignements et tout ça, parce que je suis aussi un expert, un chercheur en matière de démologie. Quand un enfant naît en Afrique, c'est une vieille mère du Katsari de la famille. C'est la vieille, la plus âgée de la famille qui vient enterrer son placenta. C'est elle qui enterre son placenta. Mais vous savez ce qu'elle va dire sur le placenta? Le placenta, c'est ce qui ressort après. C'est quand le bébé sort, ça tombe après. Et le placenta est attaché au bébé dans le ventre. Donc le placenta joue un grand rôle en matière de la destinée d'un bébé. D'une personne, le placenta. C'est pour ça que la plupart... en Europe, les gens disent non, laissez ça, ça fait rien. Oh, quand vous en faites enfant, le placenta, exigez qu'on vous donne le placenta. Oui, c'est pas qu'on appelle, je ne suis pas en train de vous adoctriner. Non, loin de moi tout ça. Je ne suis pas en train de vous adoctriner, je ne suis pas en train d'enseigner l'hérésie. Non, je ne suis pas en train de vous endoctriner. Mais ceux qui enterrent ton plan Satan, c'est eux qui orientent ta destinée. Donc, s'il y a un plan Satan, vous récupérez le plan Satan. Vous parlez, vous ouvrez la terre, vous mettez le plan Satan à terre, dans la terre, et vous parlez, vous ouvrez une bouteille d'huile d'onction, vous parlez et vous orientez la destinée du bébé. C'est pour toi. Non, on va jeter. Tu dis, moi-même, je vais aller jeter. Demandez, exigez qu'on vous donne le plan Satan. Qu'on vous donne le plan Satan. Parce qu'il y a des francs-maçons, il y a des diables dans des trucs. Ils vont aller prendre le plan Satan un matin comme ça, ton enfant devient autiste. Parce qu'ils regardent, ils voient la destinée du bébé, ils savent que l'enfant serait surdoué. On détruit sa destinée. Vous comprenez? Du coup, on détruit sa destinée. Vous comprenez? Voilà. Donc aujourd'hui, on va avoir beaucoup de choses. Hein. Ne soyez pas pressés. Hein. Ne soyez pas pressés. On verra beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Voilà. Donc, les gens, ils voient. Voilà, aujourd'hui on va voir beaucoup de choses, on verra beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Voilà, donc ne laissez pas les gens, excusez-moi, ne laissez pas les gens aller enterrer le plan Satan des gens. Le plan Satan de vos enfants, ne laissez pas entre la main de médecin. Non. Quand vous avez ça, allez enterrer ça. Allez enterrer ça. Vous prenez ça, vous parlez et vous orientez. Vous dites l'enfant, vous dites, à partir d'aujourd'hui, mon fils qui vient de naître, ma fille qui vient de naître, ce plan Satan, n'est-ce pas, de mon fils, tant, il doit réussir sur la terre. Et vous positionnez sa destinée, afin que toutefois qu'il marche sur la terre, que la terre reconnaisse qu'il y a une action qui a été menée sur l'enfant, à partir de la plan Satan. Parce que la vieille qui allait enterrer le plan Satan, c'est elle qui oriente la destinée. Regardez les enfants du village, ils sont très têtus, on est des cabris du village. Vous comprenez? Oui, souvent, avant de lui donner un nom, on fait un baptême. Et puis, on va présenter l'enfant à un fétiche. C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Vous comprenez? Ou bien, on dit, il vient de naître, on doit faire un sacrifice. On doit tuer un mouton. On doit tuer bœuf. Écoutez, hein? Écoutez. Ésaïe 60, le verset 3. Ésaïe 66, le verset 3. Vous allez comprendre quelque chose. Ésaïe 66, le verset 3. Vous qui aimez faire sacrifice là. Ésaïe 66, le verset 3. Ésaïe 66, le verset 3. Celui qui immole un bœuf. Celui qui tue un bœuf. Est comme celui qui tuerait un homme. Est comme celui qui tuerait un homme. Il y a quel rapport? Ésaïe 66, le verset 3 nous dit, celui qui tue un bœuf, il est comme celui qui tue un homme. Donc les bœufs vous offrez aux idoles de votre famille, c'est vous-même que vous offrez en sacrifice. Vous avez vu? L'enfant vient de naître, au lieu de l'offrir à Jésus-Christ en sacrifice, en holocauste, Jésus, le 8e jour, ils l'ont présenté dans le temple. Vous partez et vous donnez un mouton. Parce que l'enfant vient de naître. Vous ne savez pas que c'est un enfant. Vous-même, l'enfant que vous offrez en sacrifice. C'est-à-dire, on prend. Ésaïe 66, le verset 3. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Oh mon Dieu, mais on a commis trop d'erreurs, Celui qui sacrifie un agneau, est comme celui qui rompait la nuque à un chien. Vous comprenez? Donc les sacrifices que les parents font, les immolations des bœufs, des moutons et tout ça, c'est souvent on te dit, viens. Donne-nous un peu, donne un cabri, une chèvre, donne-nous ça. Vous comprenez? C'est toi-même tu t'offres. Souvent, on te dit non, comme tu souffres trop là, il faut envoyer un bélier. Hein? Celui qui présente une offrande. Celui qui présente une offrande. Est comme celui qui répandait du sang du porc. Celui qui répandait du sang du porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorait des idoles. Je continue. Tout cela se complaisent dans leur voie et leur âme trouve du plaisir dans leur abomination. Vous avez compris? Amen. Alors, donc regardez ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce que les gens font? Vous comprenez? Les gens, ils viennent immoler les moutons. On vous demande d'envoyer un mouton, on vous demande d'offrir un bœuf, on vous demande d'offrir une chèvre, on vous demande des trucs. Vous ne savez pas que c'est vous-même. C'est-à-dire celui qui tue un mouton, c'est un homme qui l'a tué. Vous comprenez? Vous comprenez? Je suis en train de vous ouvrir les yeux. Je suis en train d'aller pas à pas parce que ça va nous prendre 2 semaines. Cette histoire va nous prendre 2 semaines. Donc, on revient sur l'histoire de cette femme. Vous comprenez? Elle s'est mariée, elle en a eu 5 maris. Mais elle n'est jamais restée dans les 5 mariages. À un moment donné, tu vis une situation et tu te dis, c'est bon là. Je reste avec quelqu'un de temps en temps parce que j'ai besoin que quelqu'un parle à mes oreilles, je t'aime. Vous comprenez? Qui m'embrasse la nuit, qui vient de temps en temps. Voilà. Combien de sacrifices on a fait et quitter des êtres humains qu'on a immolés. Et souvent même toi-même tu finis un sacrifice et puis toi-même tu viens manger ton âme. On te dit donne un mouton. Tu ne sais pas que c'est toi-même qui t'offre en sacrifice, puis toi-même tu viens te manger, tu manges ton âme. Vous comprenez? Que Dieu nous aide. Vous comprenez? C'est ce qu'on enseigne les hérésies. Je vous ai montré le verset biblique. Hein. Je viens de vous montrer les versets bibliques. Je suis rentré en vous donnant les révélations des choses de Dieu. Voilà. Ce n'est pas une question de tout. Je vous ai donné le verset biblique. Dans Ésaïe 66, le verset 3, la Bible dit que celui qui immole un bœuf, c'est comme si tu es un homme. Alors, à toi de réfléchir. Il ne faut pas venir jouer à moi ici. Donc, quand tu donnes bœuf, tu as tué un homme. C'est comme si tu es un homme. Donc, si tu donnes un bœuf, c'est toi-même que tu prends. C'est toi ta vie là qu'on détruit. Quand vous parlez, vous dites non, chez moi là c'est comme ça, chez nous c'est comme ça on doit faire. Chez toi c'est comme ça on doit faire. Ah, chez toi c'est comme ça on doit faire. Quand on vient dans le Seigneur, on n'a plus chez moi, on a chez le Seigneur. C'est beaucoup très important. C'est cette alliance démoniaque comme toi. Tu es devenu maintenant, tu t'es sacrifié. Tu es devenu comme une offrande des esprits. C'est pour ça que la sorcellerie a accès à ta vie. Vous comprenez? Tu es comme un mouton de famille. Tu es comme un bœuf de famille. Donc la sorcellerie n'a plus peur de toi. Parce que toi, tu es devenu comme un mouton de famille. Et tu renouvelles toujours ces alliances-là. Regardez ce que Jésus a fait. Donc j'ai donné le passage dans Marc, le chapitre 8, à partir du verset 22 jusqu'au verset 26. Je suis revenu là-dessus. Je reviens là-dessus parce que nous sommes dans les introductions par rapport à ce message. Il faut que Dieu nous délivre un peu. Parce qu'apparemment, on est dans le Seigneur, mais on ne comprend pas ce qui nous arrive. Hein? On est marié, étant dans le Seigneur. Ça n'a rien à voir avec que tu es converti. Hein? C'est une question de délivrance. Si tu n'es pas délivré, ça te poursuit. Parce que ta famille, tu sors d'une famille. Et donc, cette famille-là, tu es rattaché spirituellement à cette famille biologique. Ah non, je prie, je suis devenu chrétien, mais tu n'es pas délivré. Le sang est là. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on a besoin de passer par la délivrance. Quelle que soit ta richesse, quel que soit, n'est-ce pas, ce que tu es dans une église, tu as besoin. Pourquoi tu es en retard? Les gens sont mieux que toi. Pourquoi les gens, ils nous sous-estiment? Ça cause de la malédiction ancestrale. On y va. Alors, Marc 8, verset 23. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il prit l'aveugle par la main. Il le conduisit hors du village. C'était à Bethsaïda. Puis il mit... Chérie, elle monte jusqu'au verset 20. On va lire. Verset 20. Marc le chapitre 20. Non, chapitre 8. Chapitre 8 plutôt. Marc chapitre 8. Écrivez. Verset 20. Voilà, écrivez. Ayez un calepin, écrivez. Écrivez parce que c'est une corde de délivrance. Écrivez. Aujourd'hui, on va parler des mariages. On va parler des mariages et puis on va rentrer un peu dans d'autres trucs. Alors, le verset 20. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4... Verset 21. Verset 21. Et il leur dit... Non, verset 22. Verset 22. Il se rendit à Bethsaïda. Il s'est rendu à Bethsaïda. Et on amena vers Jésus un aveugle. On amena vers Jésus un aveugle, oui. Qu'on le pria de toucher. Oui, c'est ça. On reprend tout. Hein. Oui. Alors, le verset 22. Mm-hmm. Il se rendit à Bethsaïda. Il s'est rendu à Bethsaïda. Et on amena vers Jésus un aveugle, mm-hmm, qu'on le pria de toucher. Mm-hmm. Il prit l'aveugle par la main, mm-hmm, et le conduisit hors du village. Mm-hmm. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains, mmh, et lui demanda s'il voyait quelque chose. Vas-y, chérie. Je continue. Mmh. Il regarda et dit, « J'aperçois des hommes, mais je vois comme des arbres qui marchent. Mmh. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, mmh, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Reprends. Elle va reprendre encore le verset. Ça va nous intéresser parce que c'est important. Marc 8, versets 22 à 24. Il se rendit à Bethsaïda. Et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Mmh. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, il lui imposa les mains, il lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Amen. Voilà, amen. Vous voyez, dans ce village-là, il y avait un aveugle, n'est-ce pas, qui avait un problème sérieux. Alors, d'où vient le problème? Alors, la Bible nous dit dans Matthieu, nous allons voir le problème de ce monsieur-là dans Matthieu, n'est-ce pas, qui va nous faire du bien. Dans Matthieu, le chapitre 11, le verset 21, vous allez voir l'origine du problème du village de Bethsaïda. L'origine de ce problème-là, de son village, se trouve dans Matthieu, chapitre 11, le verset, chapitre 11, verset 21. Vous voyez, le monsieur, ce monsieur-là, à Bethsaïda, il était bien dans ce village, mais ce village était maudit. Il y a des gens qui sortent d'une famille maudite, il y a des gens qui sortent dans une famille, d'un village maudit, il y a des gens qui sortent d'une région où, n'est-ce pas, je vais revenir là-dessus. Ça, je reviendrai là-dessus. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, je suis dans l'introduction d'un message, hein, parce que le message proprement dit, je vais commencer ça la semaine prochaine. Mais je suis en train de préparer votre esprit, ce qu'on appelle l'introduction d'un message. Non, je prépare votre esprit et donc je vais développer ce message. C'est un enseignement de pointe pour une délivrance concernant l'Afrique. Voilà d'où viennent nos problèmes. Donc, écoutez bien le message et puis prenez les notes parce que ça va beaucoup vous aider. Et probablement, la sorcellerie s'appuie sur ça pour revendiquer leurs droits, n'est-ce pas? Leurs droits sur nos vies. Et c'est pour cela que beaucoup d'Africains, n'est-ce pas, perdent un combat parce que par moment, ils ne connaissent pas leur origine, ils ne savent pas d'où vient leur problème. Alors, voici d'où vient le problème de Bethsaïda. On y va dans Matthieu 11, le verset 21. Matthieu 11, verset 21. Malheur à toi, Corazin. Malheur à toi, Corazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si le miracle qui ont été fait au milieu de vous, mm-hmm, avait été fait dans Tyre, mm-hmm, et dans Sidon, mm-hmm, il y a longtemps qu'elle se serait repentie, mm-hmm, en prenant le sacre et la cendre. Mm-hmm. Amen. Très bien. Donc, regardez. Déjà dans Matthieu, on montre que déjà dans Matthieu, dans le livre de Matthieu, le chapitre 11, verset 21, on montre déjà l'origine de la vie. Elle a été déjà maudite par les hommes de Dieu. Elle a été maudite par Christ. Elle a été maudite déjà dans cette vie. Vous comprenez? Et dans Marc, nous revoyons une personne qui est aveugle. Donc Jésus rentre dans cette ville de Bethsaïda. Il rentre dans cette ville. Il est confronté à un cas de guérison. Il y a quelqu'un qui est malade. Et il y a ce que Jésus fait. Il sort avec la personne de cette ville, de ce village. Excusez-moi. Il sort avec cette personne de ce village. Et arrivé dans le village, Marc 6, Marc 8, le verset, Marc 8 à partir du verset 22 jusqu'au verset 26. Marc 8. Notez très bien. Tu es maudit déjà par tes origines. C'est ça. Marc 8 à partir du verset 21. Ah, à partir du verset 21. Il se rendit à Bethsaïda. Il se rendit à Bethsaïda. Ouais, on va, dans Matthieu 11, verset 21, on parle de Bethsaïda. Vous comprenez déjà la ville, elle est déjà maudite. Malheur à toi, Bethsaïda. La Bible dit malheur à toi. Donc, le territoire est un anti-miracle. Dans ce village-là, il n'y a pas d'activité de Dieu. Aucun miracle, aucun développement ne peut se produire. C'est comme dans ton village. Ok, il ne peut pas avoir de fonctionnaires parce qu'il y a une action qui a été menée. C'est pour ça que tu vois qu'il n'y a pas de cadre. Le plus grand cadre dans ton village, c'est un instituteur. Et d'autres dans leur village, c'est un vigile. Il a 45 000 francs de CFA par mois. C'est quoi ça? C'est le plus riche du village. Il a 45 000 francs de CFA. Le mois, parce qu'il est vigile. Donc, tout ce qui est activité intellectuelle, tout est bloqué dans ce village-là. Vous comprenez? Parce que le village est maudit. Vous comprenez? Le village est maudit. Voilà. Le village, il est maudit. Donc, quand tu sors de là, intellectuellement, ça dit tout ce qui est activité. Quand tu viens en Europe, tout devient bizarre. Parce qu'il y a des gens qui, ça dépend, à cause de la colonisation, dans leur village, ils ont fait des fétiches, ils ont fait des actions prophétiques, des hôtels sataniques, pour ne pas que les blancs, ceci, cela, pour protéger leur village. Ils n'ont pas pensé aux générations futures. Donc, ils ne sont pas allés détruire ces hôtels-là. Donc, tout ce qui touche à l'intellect, l'école, c'est pour les blancs, si vous voulez, en guillemets, c'est eux qui ont envoyé la civilisation. Tout ça, ça ne marche pas. Donc, tout ça, ça ne marche pas. Et quand tu viens en Europe, de ton village, cette malédiction de ton village te suit. Tout est bloqué autour de toi. Les études sont bloquées. Il y a des gens, leur étude est bloquée. Arrivé à un moment donné, tout ce qui est intellect, il ne peut pas réfléchir. À un certain niveau, c'est bloqué. Voilà. Il y a des gens, à un moment donné, de leur intellect, tout c'est bloqué. Ils sont bloqués, intellectuellement bloqués. Ils ne peuvent plus avancer. C'est comme ça. Parce qu'il y a un niveau de vie, de trucs intellectuels que vous devez atteindre dans votre famille. Voilà, c'est fini. C'est-à-dire, toi, c'est le dernier truc. Pourquoi? Parce que, quelque part, vous êtes peut-être esclave dans la famille. Vous êtes la lignée des esclaves. C'est pour ça que cherchez à connaître vos descendants spirituels au niveau de la famille. Qui sont quoi dans la famille, dans le village? D'autres ils sont propriétaires terriens. Mais chaque propriétaire terrien a tué. Tous ceux qui sont propriétaires terriens, les ancêtres ont tué. Ils ont fait sacrifice. Et vous savez très bien, je viens de dire tout à l'heure dans Ésaïe 63 et 66, le verset 3, on dit celui qui immole un bœuf, c'est comme si tu es un homme. Donc il y a une mort d'homme. Donc imaginez-vous de génération en génération les immolations des bœufs, des trucs qu'ils ont fait à cause de la chefferie. Il y a des gens qui ont fait des chefferies. Quand ils meurent, quand le chef meurt, ou bien le responsable de la famille meurt, on se fait accompagner par les humains. Vous voyez? Donc cette malédiction vous suit. Ça va vous suivre. Vous comprenez? Donc, je reviens ici le problème des villages. Il y a des villages, eux, ils ne doivent pas évoluer. Vous comprenez? Ils ne doivent pas évoluer. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que les Blancs rentrent chez eux. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bitume, il n'y a pas d'école chez eux, il n'y a pas tout ce qui va dans la civilisation. Ils sont à l'état brut. Précaire. Ils sont à l'état précaire parce qu'ils ont posé un acte dans le passé, ils n'ont pas eu le temps de détruire ça. Donc ça a toujours un des effets sur toute la descendance. Et non, le village en subit le mauvais sort. C'est un mauvais sort et les gens subissent ça. Voilà, c'est dans leur famille. Ça agit. Ça agit dans le village. Ça agit dans le village. Il n'y a pas d'intellectuel. On ne peut pas avoir de ministre. On ne peut pas nommer un ministre dans leur région. On ne peut pas nommer un ministre dans leur région. On ne peut pas nommer 6 préfets dans leur région. Ça dépend des intentions spirituelles. Les gens sont bizarres. Vous voyez des gens, et puis à un moment donné, les gens sont mongols. Des mongols. Vous voyez que vos enfants sont devenus, qu'on appelle les autistes. Il y a des maladies bizarres. Voilà. Mais cherchez à connaître vos intentions spirituelles. Regardez dans votre lignée ce qui se passe. Parce que tout ça, c'est important. Tout ce qui se passe. Dans Matthieu 11, Bethsaïda était déjà maudit. Donc, quand Jésus est rentré dans le village, il a détecté le problème. De ce village-là, le village est déjà maudit. Il y a des villages qui sont maudits, frère. Et tu ressors d'un village maudit. C'est pour ça que ta vie est tordue. Tout ce qui est gauche, gauche, là, ça va, tu t'en vas. Il n'y a pas de droit dans ta vie. Gauche, tu t'en vas là-bas. Gauche, tu vas là-bas. Gauche, tu vas là-bas. Vous comprenez? Gauche, là-bas, tu vas. Tout ce qui est bizarre, ça t'arrive. Tout ce qui va, ça t'arrive. Mais c'est nos réels problèmes. C'est la réalité de nos problèmes aujourd'hui. On a des bagages intellectuels, on est intellectuel, on a des niveaux, on a plus que diplômé, plus que X, Y. Mais on est en retard intellectuellement, et non, financièrement en retard. C'est-à-dire intellectuellement, on avance peut-être, mais il y a des gens dans leur famille, ils ne peuvent pas être riches. Il y a des familles, demain je vais arriver là-dessus, ils ne peuvent pas construire de maison. Parce que c'est interdit, parce qu'il y a des gens, quel que soit l'âge que tu as. Si tu arrives à achever une maison, tu meurs. Je vais revenir là-dessus. Je parlerai de ça demain. Il y a des gens dans leur famille, ils ne doivent pas construire des maisons. Ils doivent louer des maisons. Ils ne doivent pas investir dans le bâtiment. Malheureusement. Malheureusement. Donc la dame là, cette femme samaritaine, elle est née dans une famille où il n'y a pas le mariage. Donc elle a essayé. Une fois, elle s'est mariée. Ça n'a pas marché. Jésus dit, tu en as eu 5 femmes. Elle marie plutôt. Tu en as eu 5 maris. Donc, elle s'est mariée pendant 5 fois. Un premier mari, ça n'a pas marché. Tu es dans le mariage de ta femme, la femme, elle bavarde, elle crie sur son mari, elle fait parler. Mais c'est quoi? Ma soeur, il y a quoi? Tu fais parler avec ton mari, tu fais parler. Et puis après, tu ne comprends pas. Attends, tu te lèves le matin, tu ne comprends pas pourquoi. Pourquoi tu t'agites comme ça? C'est l'esprit là, de ta famille là, qui fait ça. C'est l'esprit de ta famille qui fait ça. Hein? C'est l'esprit de ta famille qui fait ça. Non, tu as envie de partir. Tu as envie de... Il y a quoi? Non, c'est bon. C'est bon. C'est quoi ça? Je vais laisser. C'est bon. Je veux plus me marier n'importe quoi. Tu vas te marier à Ab. C'est Ab que tu vas te marier. Vous voyez? Donc, les esprits familiaux viennent t'influencer. Et cette femme-là, elle avait ce problème-là. Elle s'est mariée jusqu'en 5 maris. 1, ça n'a pas marché. 2, 1, 2. Ça veut dire qu'il y a un problème. Hein? Une relation. Deuxième relation. Ça veut dire qu'il y a un souci. Ah, il y a un souci. Il y a un souci. Donc, il faut chercher à régler. Ce n'est pas celui que tu affrontes qui est en face de toi. Le problème, c'est toi qui as le problème. Il y a un problème dans ta vie. Et puis, toi, tu veux commander l'homme. C'est-à-dire, quand ton homme te dit, donne-moi du jus. Ah, je ne peux pas me lever. Toi-même, va prendre. Aïe. Il y a quoi? Ton mari, souvent, elle a besoin. Elle n'aime pas qu'on lui donne des... Ce n'est pas question d'ordre. Mais la femme, quand même, elle a un rôle qu'elle joue. L'homme aussi. Moi, je me lève ici, je sors. Ma femme est là. Je m'aime faire des courses. Voilà, je m'aime faire des courses. Je viens. Je regarde ce qui manque. Non, hé. Prophète là, ça c'est dans l'église, délivrance, mais je suis d'abord père de famille. Donc je n'ai pas besoin qu'on me dise, je sors après mon sport, je rentre, je fais dans les supermarchés, j'achète ce que je peux acheter, je viens et tout ça. Parce que moi quand même, il faut avoir le discernement, il faut savoir ce qui manque. Ah, j'ai pensé, merci chérie, merci. Ma femme me dit merci chérie, j'achète, je mets et tout ça. Voilà, vous comprenez? Et il y a des hommes qui n'aiment pas ça. C'est-à-dire, eux ils sont là, ils n'aiment pas. C'est-à-dire, eux, ils sont là, c'est la femme qui doit tout faire. Elle doit sortir pour aller acheter. C'est elle qui doit... Et pourquoi? Toi-même, toi, il y a quoi? Tu fais marcher là, ça va t'enlever quel titre? Moi, je prépare. Je prépare chez moi. Et puis, j'aime même préparer. Non, quand on prépare, non, le gars, il est en foutu. Ah, il a envoûté. Ce n'est pas envoûtement, c'est l'amour. Tu es à la maison, il faut faire plaisir à ta femme. Oui, parce qu'il y a des gens, leurs parents, ils étaient comme des dictateurs. Donc, ils ont vécu dans un royaume dictatorial où le père est dictateur, les femmes ne parlent pas et elles doivent subir seulement. Donc, lui, il a hérité ça, de ce vénin satanique-là. C'est ça, quand tu dors, voilà, quand vous dormez, vous voyez des serpents dans le rêve, ça veut dire que vous avez un esprit venimeux dans votre famille. Ça veut dire qu'il y a un esprit de mal. Ça veut dire qu'il y a un esprit de destruction. Ça veut dire que toi-même, tu as un danger pour toi-même et tu as un danger pour ton entourage. Quand vous rêvez, quand tu rêves, puis tu vois beaucoup de serpents, tu as un danger pour toi-même et tu as un danger pour ton entourage. Il faut chercher à faire ta délivrance. Vous comprenez? Cherche à faire ta délivrance parce que c'est important. Vous comprenez? Oui, c'est pas une question de là. Non, non, non. C'est parce que là où tu es, tu détruis. Quand vous voyez les serpents en rêve, là, le serpent, il détruit. Le serpent, c'est l'animal. Quand on voit la première des choses, on cherche à prendre caillou pour taper. On cherche à prendre caillou, on peut tuer parce qu'il est dangereux. Donc, quand vous voyez serpent en rêve, ça veut dire que tu as hérité d'un vénin mortel. Ça veut dire quand tu es quelque part, tu détruis dans une entreprise, c'est toi qui fais Congo ça, tu cherches à détruire les gens. Dans un couple, tout problème vient de toi. Ça veut dire que le problème va venir toujours de toi. Excusez-moi. Le problème va venir toujours de toi. Vous comprenez? Moi, je sens de nouveau les yeux. Hein. Tu peux n'aimer pas aimer le prophète Krasso, mais moi, je combats les œuvres de la sorcellerie et des ténèbres. Donc, quand je parle, je vous ouvre les yeux pour que vous compreniez quelque chose de ce qui se passe et qui va vous édifier, vous construire pour être meilleur demain. D'accord? On poursuit. N'est-ce pas? Non, non, ça va. Voilà. Donc, je disais comme ça. Voilà. Donc, moi, quand je viens, attends, je n'ai pas besoin. Ma femme, je l'aime. J'aime ma femme. Attends. J'ai envie, je suis père de famille, je suis époux, Donc, la première des choses, je cours, souvent ma femme dit non, je suis fatigué, elle dit moi, il m'en va, parce que je sais où je viens, j'étais trop gros. Et ma femme, elle fait des grandes choses, ma femme qu'elle prépare, c'est trop terrible. Ta maman, il bâche, mais souvent, elle me dit non, attends, tu es au régime, j'ai dit mais ta sauce là, ça me fatigue. Donc, je mange ça le soir, je mange. Pourtant, je suis au régime. Or, le soir, c'est que le soir, on prend plus de calories, tout ça, le soir. Mais j'ai dit, ma femme, la sauce, donc moi-même, là, il y a des jours où j'interdis des sauces. Quand elle me dit ça, je dis, pardon. Ben, si j'ai mangé ta sauce, là, le soir, tu en as remarqué? Toujours quand elle fait sauce, là, le soir, je mange. Ah, c'est vrai, non? Elle me dit, c'est vrai. Elle me dit, c'est vrai. Donc, il n'y a pas mangé, elle a vu. Elle dit, hier, il n'y a pas mangé. Elle a dit, aujourd'hui, elle dit, tu veux manger quoi? Je dis, j'aime bien ma femme. Elle dit, tu veux manger ragoût? Il dit, il faut faire ragoût parce qu'on est en jeûne. Elle est... Bon, je n'ai pas besoin de dire ça. Stop. Hein, on est dans un moment de prière, tout ça. Donc, tout ça, je dis, vas-y, je me connais. Hein, vas-y, qu'elle va faire ça. Elle va faire ça. Je grossis. Je suis quand même couché de ça. Quand il dort, là. Et elle aussi, quand il fait sauce, elle m'a couché. Elle me réveille comme ça, elle me dit, la sauce est faite, tu as fait de... Ah, on a gardé même le reste. Elle a gardé le reste. Vous comprenez? Voilà, vous comprenez. Donc, la sauce, elle a gardé ça. Donc, quand ma femme fait la sauce, feuille, et elle m'a fait la sauce, je dis, ah! Elle me dit, c'est comment? Oh, il y a tout, hein. Il y a fruits, il y a tout qu'on peut faire pour gérer un régime, hein. Mais c'est la sauce qu'elle a faite là. Comme moi, je suis un blédard. C'est la sauce là. Je vais manger. C'est quoi ça? Et puis, je mange. Puis, je grossis. Donc, maintenant là, je me suis mis dans un régime sévère. Donc, je dis, pardon, à faire des sauces là, on va laisser ça un peu. Donc, depuis quelques jours, on a laissé à faire des sauces. Et quand on prépare sauce là, ça me tente un peu. Mais, heureusement que j'ai maîtrisé ça un peu. Voilà, merci Dieu, merci. Donc, elle aussi, quand je fais ma cuisine, l'homme doit aller dans la cuisine. Quand je fais ma cuisine, elle aussi, c'est quoi? Elle dort même, elle mange. Hein? Elle mange, tu manges plus. Elle ne connaissait pas sauce feuille. C'est moi qui ai monté ma femme sauce feuille. Hein? C'est moi qui ai fait qu'elle mange sauce feuille. Elle m'a dit, non, il veut manger. Elle dit non, pardon. Hey, il est 3 h du matin. Il faut dormir. L'esprit qui t'attaque là, il est vécu. Dors. Il y a des moments en janvier, là voici ici. À 2 h du matin, je suis obligé de réveiller ma femme. On se réveille. La femme doit aller prier pour aller, pour sauver, pour chauffer, sauce. À 2 h du matin, hein? Elle fait le riz. C'est quoi ça? Et puis il dit, bon, salut, c'est comme ça que j'étais, hein? Et puis il dit, bon, comme je connais maintenant mon corps à faire des sauces, là, tout ça, donc, oui, mais c'est quoi sauce? C'est quoi? Parce que quand elle fait les sauces, là, ça prend tes narines dans ton cerveau, tu dors. Puis, comme tu n'es pas sorcier, tu te réveilles. Je te dis, il n'y en a plus, je te cache. Mais... Et ma femme, voilà, elle me rappelle. Elle dit, souvent, elle me dit, il n'y en a plus. Elle dit, ah, il y en a, il faut chercher. Je cache, mais... Elle cache. J'ai dit, bon, si tu as caché, il faut faire. Elle dit, non, je plaisantais, tout ça. Parce qu'elle ne veut pas faire la sauce à 2 h du matin. Donc, vous voyez, elle arrive pour me former. Oui, elle est bien. Oui, elle est... Non. Non, je cache, mais pas que tu manges. Oui, esprit de sang. Mais l'esprit de sang de 2 h du matin sort. Dégage, dégage. C'est vrai, Ben. Dégage. Moi, j'ai à 2 h du matin. 2 h, donc. Et dans mon intérêt, il y a des sorts, je ne mange plus. Parce que quand je mange ça la veille, si je mange ça à midi, je dois manger ça le soir, je dois manger ça le lendemain. Donc, il y a des gens, donc je reviens, oui, dégage de sauce. Il peut toujours les peines. Sauce de 2 h du matin, sauce. J'ai arrêté, voilà. Donc, ça me fatiguait. Donc, j'ai dit, ah! Donc, j'ai dit, ma femme, hey, je vous dis la vérité, prépare. Donc, il y a des gens qui n'aiment pas préparer pour leur femme. Il y a des gens qui jouent comme des dictateurs dans une maison. Ils sont bizarres avec leur femme. Ils n'aiment pas sourire avec leur femme. Ils n'aiment pas parler avec leur femme. Il n'y a pas d'échange avec leur femme. Mais c'est quoi ça? Ma femme, elle est ma confidente. Ma femme. Franchement, moi, je dis tout à ma femme. On rigole, on fait tout ensemble. Quand je vois quelque chose, je l'appelle. Elle veut la recette de sauce. Non, demain. Laissez. Patricia, tout pas. Non, la sauce, là, on va vous faire ça spécialement. Qu'est-ce que tu veux que je fasse en direct pour la montrer la sauce? Bon, c'est pas. Ils sont possédés. On va décider de vous montrer quand on fera la sauce, d'accord? Elle et moi, on décidera. Alors, donc, pour vous dire, homme doit aimer sa femme. La Bible dit que homme aime ta femme. Donc, l'homme doit aimer sa femme. Tu dois aimer, même tu dois aimer ta femme. Tu dois aimer ta femme. Aimer ta femme, ça veut dire, si ta femme avait des enfants, tu dois aimer ses enfants. D'accord? Et si ton homme aussi avait des enfants, une femme qui n'aime pas les enfants de son mari, c'est une sorcière. C'est pas autre chose que ça, c'est une sorcière. Toi, tu veux que ça soit en sens unique. C'est quelle amour? Même si ton mari, tu t'es marié à un homme, et cet homme-là, il faut amener l'enfant dans ta... Et la première maman, c'est toi qui es la maman. Vous comprenez? Donc, vous avez, dans leur famille de cette femme, cette femme en samaritaine, il n'y a pas de mariage. Donc, elle s'est mariée à un mari autoritaire. Elle est autoritaire. Elle est autoritaire. Elle est autoritaire. C'est elle qui doit commander. C'est elle. Tout ce qu'elle dit, c'est ça. C'est ce qu'elle dit qui est vrai. Mais toi, t'es quoi? Pourquoi toi, forcément, ce que tu dois dire, ça doit être vrai? Et il y a des femmes qui n'aiment jamais demander pardon. Parce que dans leur lignée, on ne demande pas pardon, c'est la royauté, la chefferie. Mais il faut te délivrer. Tu peux demander pardon à ton mari. Non, ce qui est fait est mauvais. Le jour où tu dis ça, c'est que tu as rompu avec une alliance diabolique. Tu as rompu avec une alliance diabolique. Jésus même a dit pardon-les. Ah, je vous pardonne. Pourquoi toi, tu ne demanderais pas pardon à ton mari? Non, tu ne te vois pas. Toi-même, tu sais que ce qui t'a fait est mauvais, mais tu ne te vois pas en train de demander pardon. Et c'est toi qui commandes. C'est toi et ton mari, il est devenu comme chiffon. C'est pieds. N'importe quoi. Et ton mari, là, il faut le respecter. Il faut respecter ton mari. Respecte ton mari. Donc la femme, elle a eu un premier mari où elle était autoritaire, nerveuse. Les femmes, elles sont nerveuses. Elles sont autoritaires, nerveuses. Et nerveuses. Et puis le mariage se brise. Ah! Ok. Mais encore un mari, un deuxième mari. Et le second mari, c'est un mari n'est-ce pas, qui est lui-même bizarre. Cette fois-ci, il dit non, cette fois-ci, j'étais trop mon autoritaire, je vais m'arranger. Vous comprenez? Donc, un mari qui est autoritaire. Ouais, donc, elle tombe aussi sur le contraire de ce qu'elle était. Non, pas le contraire. Elle tombe sur l'image de ce qu'elle était en avant. Hein? Son égal. Elle tombe sur son égal. Donc, elle voit, ah, lui, il est comme ça, il est. Moi, j'ai changé. Hein. Faut pas réveiller ce qui est couché avant. Le riz couché, là, faut pas réveiller ça. Parce que si le riz couché se réveille, donc le mari, il devient bizarre. Donc maintenant, c'est plus à son tour, je sais pas, mais c'est le tour du mari. Elle tombe sur un faux type qui devient bizarre. Et l'homme, il est bizarre. Il n'est pas amour. Il n'est pas canin. Il est bizarre. Il n'est que canin quand il veut faire l'amour. Quand il veut grès. Ça, c'est Abidjan. Quand tu dis ça aux Abidjanais, ils comprennent ça. Quand il veut grès, quand il veut faire l'amour. L'amour, encore, ils vont dire grès. Quand il veut grès, c'est là il devient canin. Là, il sourit. Quand il finit de grès, il tourne son dos. Et puis, il dort. Mais non. Il ne prend pas soin de la femme. Vous comprenez? Il ne prend pas soin de la femme. Parce que souvent, ce n'est pas souvent de ta faute. Tu as hérité de ça. C'est dans ton sang. C'est dans ton ADN. C'est dans ton sang. C'est dans ton sang. Et puis, souvent, tu ne sais même pas ce que tu fais. Oui, c'est nos hôtels qui nous influencent. Ça nous influence. Et souvent même, malheureusement, il y a des femmes aussi qui envoient leur mari. Quand tu envoies ton mari chez un féticheur, un marabout, pour marier un homme, tu l'envoies chez un marabout. Pour marier une femme, tu l'envoies chez un marabout. Faut te dire que ce mariage-là, c'est bâti sur du faux. Tôt ou tard, ça va dégringoler. Ça va se détruire. C'est ça. Pourquoi envoûter? Pourquoi envoûter une femme? Pourquoi marabouter une femme? Pourquoi apporter? Pourquoi? Vous comprenez? Regarde toi-même, il faut te faire mea culpa. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on pense que le problème vient d'ailleurs. Mais avant que la sorcellerie n'agisse, la sorcellerie s'appuie si déjà ce dont nous avons hérité. Vous comprenez? Donc, elle a un premier mariage, ça n'a pas marché. Le second mariage, ça n'a pas marché. Parce qu'elle est tombée sur un faux type. Elle a voulu faire un effort. Souvent, on fait un effort. Parce qu'on a fait une première expérience. La deuxième expérience, on dit non, il faut qu'on fasse attention, on soit intentionné. Or, plus intentionné, le monsieur devient bizarre. Et puis maintenant, on dit non, moi-même là, c'est même plus de ma faute. Je reprends mon caractère. Peut-être que mon caractère là, c'est ce qui est vrai. Il faut que je sois caractériel. Donc, tu changes. Quand tu dois le caractère, tu tombes. Et puis, tu tombes sur un garçon qui est doux. Et toi, tu es caractériel. Vous voyez? Et puis, tu penses que c'est bon, ça va aller. Mais le monsieur, il en est marre. Tu le maltraites dans le foyer. Paf, ça se gâte. Troisième mariage. Le quatrième mariage, tu deviens docile comme ça, comme une femme. Tu dis non, il faut que je sois bien, tout ça, il faut que je sois bien, il faut que je prépare. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Oh, toi, mais tu connais ton caractère. On te fatigue, on ne te provoque pas. Tout ça. Et puis, tu tombes un monsieur bizarre. Non, je ne mange pas ça. Non, je ne fais pas ça. C'est-à-dire, tu tombes sur le contraire de ce que tu es. Et ça se gâte. L'échec. Et après ça, tu dis non, moi-même là, il ne faut pas que je fasse. Parce que mon frère, tu ne peux pas faire de la pépère. Ce que tu es là, c'est ce qui va se présenter chaque jour dans ta vie. Et c'est ça, malheureusement, tu ne peux pas faire de la pépère. Et c'est ça qui se présente devant toi. Parce que tu as hérité ça. Quand tu regardes un peu, les antécédents de tes parents, quand tu regardes un peu, il n'y a pas eu de mariage dans leur famille. Problème sur problème. La femme dit, j'en ai eu 5, Jésus. J'en ai eu 5 maris. N'est-ce pas? J'en ai dit 5. Jean le chapitre 14, l'évangile de Jean le chapitre 4, à partir du verset 4, le verset... Oui. Jean le chapitre 4, à partir du verset 4 à 42. Marabouta est dans un mariage. Tu allais bouter une femme comment? Ouais, les gens qui envoûtent les femmes sont terribles. Hein? Tu allais bouter quelle femme? Quelle femme? Les femmes ne sont plus nombreuses que les garçons. Les femmes sont nombreuses que les garçons. Et il y a des gens, ils aimeraient que les femmes dépensent sur moi. Je n'aime même pas qu'une femme dépense sur moi. Non, 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 non. Tu as l'argent, c'est pour toi. Et puis, moi, je n'aime pas qu'une femme dépense sur moi. Ce n'est pas de l'orgueil. Je suis un père de famille et j'ai ça. Vous des gigolos là, soyez délivrés. Il y a des gens qui vivent dans la poche. Ouais, marabout même graisse là. Le gars là, il est terrible. Moi, j'aime pas qu'il fasse dépenser. Pourquoi il ne va pas dépenser sur moi? Pourquoi? Tu as dépensé pourquoi? Non, 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 non. Il y a ce petit truc là-haut, non. Non, moi j'ai ce petit truc là-haut, non, non, non. Moi, je dois être le père, j'écoute ma femme, je me bats pour l'aider. Voilà, j'ai ça un peu. Peut-être que vous avez dit c'est une fierté, mais si vous voulez prendre ça comme ça, c'est bon. Mais non, une femme va venir, non, toi tu es un garçon, tu graisses seulement, tu fais l'amour, et puis elle te plaît pour ça. Tu es malade ou bien? Tes reins là, c'est pas pour ça. Tu es un rentologue ou bien? C'est rentologue ou bien? C'est-à-dire quand vous dormez là, souvent vous dormez, quand vous réveillez la nuit, quand vous regardez vos femmes, dites, j'ai la meilleure femme. Et peut-être si ta femme te réveille, la nuit, elle doit te regarder, j'ai le meilleur homme. C'est le meilleur qui va se présenter. Voilà, parce qu'on est tombé sur des faux. Il y a des gens bizarres qui ont des hôtels bizarres, c'est pas de votre faute. Allons-y. Alors, Luc, chapitre 4, verset 4. Le Seigneur... Non, moi, il ne peut pas. Verset 4, chapitre 4, verset 4. Non, c'est Jean. Non, oui. Alors. Verset 4. Le Seigneur sut que les pharisiens... Non, le verset 4. C'est ce qu'elle dit, verset 4. Le verset 4. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie... Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Il se trouvait le puits de Jacob. Jésus fatigué. Le verset 8, 9. Où la femme a dit, il y a eu Sainte Marie. C'est là. Allons-y. La femme répondit. Je n'ai point de mari. Très bien, je n'ai point de mari. Jésus lui dit tu as eu raison. Tu as eu raison. Car tu as eu 5 maris. Tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Tu n'es pas ton mari. Donc, vous comprenez, elle a eu 5 maris. Donc, ça veut dire que la femme, dans sa lignée, dans la lignée de sa femme, il n'y a pas le mariage. Tout ce qui est maritage, tout ce qui est mari ne doit pas marcher. Donc, elle en a eu 5 maris. C'est-à-dire, c'est pas... Les hôtels de votre famille, familiale, il n'y a pas de mariage. Tout ce qui touche au mariage, il y a problème, ça se gâte. Tout ce qui est maritage, ça se gâte. Tout quand vous rentrez dans un mariage, quel que soit ce que tu feras, d'abord, tu te montres comme autoritaire, tout ça. Après, tu te montres comme une femme soumise, tu tombes sur un faux. Ils te font une délivrance. À ce stade-là, ils te font une délivrance. Comprenez? Il y en a eu un, deux. Donc, elle a dit, non, je ne me marie plus. Il y a des femmes qui ne parlent pas les ciels. Qui t'a commencé un? Elle finit 10. Donc, il faut laisser ça. Ça dit parole là, laisse ça. Laisse ça, elle te gagne. Laisse, quitte dedans. Non, moi-même là, aujourd'hui, là, non, 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 elle va te gagner. Parce que chez eux, là, c'est comme ça. Sa maman, elle a maltraité son papa. Voilà, chez eux, on ne parle pas, c'est la chefferie. Chez eux, là, on ne commande pas. La femme, l'homme ne doit pas commander femme. Voilà. Il y a les gens, il y a les cheveux. Non, on est hérité de trop, on a hérité de chefferie, on a hérité du trône, on est hérité de chefferie, de trône royal, ou bien de trône de quoi, je ne sais pas quoi, quel trône vous avez, plus que Jésus. Le meilleur trône, c'est le trône de Jésus. Jésus, il a le trône de David, il a été soumis. Voilà, donc il faut être soumise, une femme soumise. Toi, tu dis non, quel trône? Trône bizarre, on tue les cabris, les vaches, les chèvres. C'est ça qu'on appelle trop, n'importe quoi. Et non, chez nous, c'est la chefferie. Non, nous, chez nous, les femmes ne parlent pas chez nous. Il ne faut pas te marier. Il faut aller te masturber. Excusez-moi, si je déborde un peu. Mais un homme, quand tu te maries, là, il y a des règles. L'homme doit aimer sa femme, il doit la respecter, il doit l'honorer. Et la femme doit se soumettre à son mari. L'homme doit aimer sa femme, il doit la respecter, il doit l'honorer. Il faut honorer ta femme, respecte et défends les valeurs de ton épouse. Il faut défendre la femme. Tes parents n'ont plus de droit sur ta femme dans un couple, vie de couple. Ta femme, non, 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 non. Personne de ta famille n'a un mot à dire. C'est toi, l'homme quittera son père et sa femme, s'attachera à son épouse. Ils seront une seule chair. Donc, aucun homme de ma famille n'a le droit de décider de ma femme. C'est moi qui ai fait mon choix. Si vous pensez qu'elle est mauvaise, moi je gère ça. Ça n'engage que moi. Donc, le mariage, c'est la soumission. Moi, les gens disent non, l'homme doit forcément, l'homme doit forcément être l'autorité. Mais, si on a l'autorité, c'est quoi? L'autorité dans un mariage, on est le reste. Celui qui a le pouvoir, l'autorité veut dire celui qui a le pouvoir. Le pouvoir. Mais ça ne veut pas dire que même Macron qui a le pouvoir, qui a l'autorité de la France, mais il voit qu'il n'écoute pas. Donc l'autorité, le pouvoir qu'on a l'autorité, ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter. C'est une erreur, n'est-ce pas, d'abus de l'autorité. Parce que l'autorité ne veut pas dire qu'on n'écoute pas. Sinon, on n'aura pas de conseiller spécial de tel chef d'État. Conseiller spirituel, conseiller informatique, conseiller dans tel domaine. Mais quand on a autorité, qu'on est autorité, ça veut dire qu'il faut écouter aussi sa femme. L'autorité, l'homme est l'autorité. Mais l'homme ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter. Sinon, les présidents que vous voyez là, aucune autorité n'est établie sans droit. L'autorité, la signification de l'autorité, allez voir dans les dictionnaires, veut dire pouvoir, avoir le pouvoir. Mais avoir le pouvoir veut dire on a des conseillers. Ouais, il faut écouter aussi la femme. C'est un abus souvent de pouvoir. C'est un abus de pouvoir. Et moi, je suis contre la polygamie. Je suis farouchement contre la polygamie. Moi, je suis le premier combattant de la polygamie. Celui qui est contre ça, c'est un adultérien, un graisseur, un lanceur de fesses. Ben, il faut te faire délivrer. Un homme doit avoir une seule femme. Moi, je suis d'accord qu'une femme, un homme a une seule femme. C'est plus ta femme, ou bien du moins, si tu n'as pas envie de te marier, ne te marie pas, que d'avoir 4, 2, 3, 4, 5 femmes et d'avoir des milliers de femmes dans le monde. C'est un problème aussi, c'est un problème spirituel que certaines personnes ont. Donc, moi j'aime ma femme, vous comprenez? On peut, il s'avère qu'il y a certaines personnes qui rencontrent, qui font des rencontres. Et puis à un moment donné, frère, il y a des rencontres que tu as, et puis tu te dis, c'est la meilleure. Il y a toujours la meilleure que tu rencontres. Et c'est cette meilleure que tu installes dans ta vie. Donc, le pouvoir, avoir le pouvoir, c'est un abus de pouvoir. L'autorité, parce que quand on dit l'autorité, l'homme est l'autorité, l'autorité va dire le pouvoir. Le pouvoir ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter. Le pouvoir, le compte dans le ciel, dans le trône de Dieu, il y a les 24 vieillards. Pourquoi Dieu lui-même dit, faisons l'homme à notre image? Pourquoi il dit faisons l'homme? Ça veut dire qu'il a conseillé, il a eu des conseillers, il a décidé pas de lui seul. Sinon, ça serait un abus de pouvoir. Pourquoi Dieu lui dit dans Genèse, il dit faisons l'homme? Pourquoi lui, il ne décide pas de lui-même créer l'homme à son image? Il dit faisons l'homme à notre image. Dans ceux qui rencontrent les bêtises, là, que l'homme a l'autorité et la femme ne doit plus décider de quoi que ce soit, de ce qu'un homme dit. C'est un abus de pouvoir. Dieu n'a pas fait l'abus de pouvoir. Et les 24 vieillards, il dit faisons l'homme. La mise au pluriel, ça dit ensemble décidons. Mais lui, il avait le pouvoir, c'est le pouvoir suprême. Personne ne peut décider. Tous ceux qui sont à côté sont la créature et c'est lui ceux qui décident. Mais dit faisons l'homme. D'un moment donné, un homme doit écouter sa femme. Bien qu'il soit l'autorité, il doit écouter sa femme. Il doit parler avec elle. Quand c'est pas bien, dire ah non chérie, c'est pas bien, faisons comme ça. Merci, faisons comme ça, faisons comme ça. Respectons nos femmes. Voilà, respectons-la. Et puis devant les parents, donnons la place qu'il faut à la femme. Donne la place qu'il faut à ton homme. C'est clair. Malheureusement, quand les gens vous voient heureux, ils vous attaquent. Malheureusement. C'est-à-dire quand les gens, ils voient les gens heureux, ils voient les gens heureux. Et quand vous regardez les gens bizarrement qui attaquent vos filles de couple, eux-mêmes ne sont pas heureux dans leur famille, dans leur vie de couple. Ils ne sont pas heureux. Moi, j'ai compris la parole de Dieu. Hein. Parce que la parole de Dieu, ça éduque les gens. Et puis d'ailleurs, qu'on est délivré. Donc, la femme, là, qu'on est délivré. Mais vis ta vie. Pourquoi tu t'intéresses à la vie des gens? Si tu penses que quelqu'un est dans l'erreur, si tu penses que quelqu'un maltraite sa femme, mais toi, ton problème, c'est quoi? Bon, voilà, donc, vis ta vie. Respecter, mais l'homme aussi doit respecter sa femme. Bien qu'il a l'autorité, mais la femme aussi, elle doit être soumise. Elle doit consulter. Mais il faut rendre ton mari heureux. Ça veut dire quoi? La femme, elle doit faire de telle sorte que son mari soit heureux. Si tu constates que ton mari, il aimerait qu'il n'aime pas... Et voilà, il faut prendre soin des enfants, de ton mari. Voilà, il faut... Ben, moi, j'ai toujours dit, les hommes, nous les hommes, on est toujours des bébés. Voilà, nous les hommes, on est toujours des bébés. Non, il dit, dans le foyer, tout le monde sait où est la vraie autorité. C'est pas l'homme. Non, 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 faut pas parler comme ça. Ben, quand tu parles comme ça, c'est pas bon. La vraie autorité, c'est surtout pas forcément chez la femme. Non, non, non. La vraie autorité, c'est surtout chez l'homme. C'est l'homme qui dirige le foyer. Voilà, et il ne faut pas penser que c'est l'homme, c'est la femme qui dirige. Non, non, non. Moi, je mets qu'on respecte la femme, une fois pour deux. Bon, qu'on respecte la femme. La femme, elle mérite le respect. Le respect, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut l'écouter. Le problème, c'est quoi? C'est-à-dire que nous, on abuse. On abuse de notre autorité, nous les Africains surtout. Je prends, moi, le cas des Blancs, ça ne m'intéresse pas. On est né dans un pays où on pense que la femme, elle n'a rien à dire, elle n'a pas d'autorité, elle n'a pas son mot à dire. Moi, je prends publiquement parlant. L'homme a le pouvoir, il a l'autorité. Ok, c'est bon. Mais l'autorité ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter la femme. Mais la femme aussi, elle doit parler avec respect. Quand elle parle, elle doit parler avec respect. On ne peut pas imaginer que la femme, elle est celle qui est toujours en train d'être la mauvaise. Ben, si elle est mauvaise, pourquoi tu marches avec elle? Frère, c'est toi qui décides. L'homme, c'est lui qui décide d'épouser une femme. Si moi, j'ai décidé d'épouser une femme, c'est moi qui décide d'épouser ma femme. Si elle ne me va pas, c'est parce que je l'ai étudiée, que j'ai dit, je mets ma signature. C'est ça le problème, quand on t'envoie, mais c'est moi qui mets ma signature. J'ai moi la mairie, là, c'est moi qui mets ma signature. J'ai dit, je décide de te marier. C'est moi qui mets ma signature. J'ai réfléchi, j'ai regardé peut-être les rencontres avec les femmes, les gens que j'ai rencontrés, tout ça. J'ai dit, bon, c'est cette femme-là que j'ai décidé, je mets ma signature. Je mets ma signature, c'est elle que j'ai mariée. C'est tout. Voilà, c'est tout. Et quand tu la maries, là, c'est que tu sais qu'elle est bien pour toi. Parce qu'il ne faut pas aussi marier une mauvaise femme aussi. Ça dépend de comment vous êtes rencontrés. Si tu maries une femme dans la rue, tu connais ce qu'elle va te donner. Tu connais Goumé de ça. Tu as marié une prostituée parce qu'elle sait gré. Tu connais ça. Ce n'est pas seulement gré. Mais est-ce qu'elle sait faire beaucoup de choses? J'ai ça. Parce qu'il faut analyser. Il faut réfléchir. Il faut essayer de régler beaucoup de choses. Voilà, donc respectons nos femmes. Parce que moi, quand j'entends d'autres pasteurs dire il faut se marier à 2, 3 femmes et la polygamie, vivre la polygamie, mais c'est de la sorcellerie. C'est de la pure sorcellerie, vivre la polygamie. Toute vie polygame n'a jamais marché. La preuve, c'est qu'Abraham a fait l'essai d'aller marier à essayer. L'erreur. Là, quand vous tombez sur une femme bizarre, elle va vous dire non, ne procrée pas. Elle a essayé avec Agar. Ça n'a pas marché. Agar, la femme Agar, ça n'a pas marché. Isaac, aujourd'hui, là, c'est le problème d'Israël. Les Ismailites avec les Juifs, il y a toujours un problème. Donc, dans toujours la polygamie. C'est vrai qu'il y a toujours les avantages, mais les inconvénients sont nombreux. Il y a tellement de vilaines choses. Donc, moi, je ne suis pas pour la polygamie. Non, 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 non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et pour moi, la femme mérite un respect. Il faut qu'on respecte. Nous respectons nos femmes et tout ça. Celui qui est contre ça, ça n'engage que lui. Tu veux encourager tes grétologies et tes rentologies, tes mougoulusieuses. Tu veux mougou. C'est pour cela que tu es d'accord avec polygamie. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Frère, si tu sais que la femme que tu vas marier, elle n'est pas bien, tu vas à la mairie pourquoi? Tu vas à la mairie pourquoi? Parce qu'en bas, ce n'est pas quelqu'un qui t'a conseillé. Hein? Non, non, non. Est-ce qu'on dit, décides-tu de marier? Tu dis oui, tout ici. Donc, on rencontre une femme et si on décide de marier, moi, je ne sais pas l'accord des parents qui m'intéresse. C'est moi qui décide de marier ma femme. Et donc, j'ai compris. Et donc, les accords bizarres, quand vous mariez par intérêt, parce qu'en France, ici, il y a d'autres qui se marient par papier, parce que par papier, tout ça. Mais ça va capoter, hein. Moi, c'est un amour sincère. Voilà. Donc, je suis fier, je m'affiche. J'aime ma femme. Je l'aime, c'est ma femme. C'est ma femme, je m'affiche, je l'aime, c'est ma femme. C'est un amour sincère. Il n'y a pas besoin de dire, j'ai vu mon vie de couple. Voilà. Hein? J'ai vu ma vie de couple, donc je n'ai pas besoin de, de parler de quelqu'un. Non, non, non. J'ai vu ma vie de couple, je n'ai pas besoin de quelqu'un venu parler de tout. Donc, vous comprenez? Donc, une bonne femme, un, c'est elle. Et la bonne femme, elle s'occupe de son mari. Même si c'est son mari, c'est ça qu'il faut tout dire à son mari, à sa femme. Si tu as eu des enfants, dis à ta femme. Dis à ta femme. Tout, 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 tout. Et si la femme ne peut plus prendre soin des enfants de son mari qu'il a eu avant qu'il te rencontre, cette femme, c'est une sorcière. C'est une sorcière. Si toi, tes enfants, tu veux maintenant que ton mari prenne soin de tes enfants seulement, et puis ton mari, c'est-à-dire, lui, ses enfants-là, toi, ça ne te dit rien. Toi, tu les rejettes de ta famille. Tu ne le considères pas. Pourtant, ce sont ça. Il n'a qu'à t'aigrer seulement. Tu es malade ou bien? Tu es malade ou bien? Il est machine. C'est un problème. Il y a des femmes qui sont là et donnent de mauvais conseils à leur mari. Non. Et je vous dis, hein, je vais vous expliquer, je vais vous faire une confidence. Moi, il y a des femmes qui m'ont approché depuis 2013. 2013. Ah, je vais te marier, tout ça. Ce que moi, j'ai vécu dans ma vie, là, depuis d'abord 2012, oui, 2010, 2010 même. Et 2010. Dragage que les femmes me font, là. Draguer, là, il y en a comme ça. Beaucoup. Depuis 2010, 2010, 2011, 2013. Moi, je suis très amoureux de ma femme. Moi, je suis amoureux de ma femme, je l'aime. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait de l'à peu près. Je ne t'aime pas, je te dis la vérité. Je suis quelqu'un, je suis né dans ça. Ma vérité, là, je ne cache pas. Et moi, quand je suis dans quelque chose, je suis heureux, je ne cache pas. Et moi, je priais. J'ai déjà dit, tous ceux qui ont regardé mes premières vidéos, j'ai toujours dit, je suis à la recherche d'une bonne femme. Le jour que je rencontre une bonne femme, vous allez me voir. Je vais m'afficher. J'ai rencontré ma femme, tranquille. Voilà, donc, on n'a pas besoin de trucs. Donc, ma femme et moi, on a construit une vie. Il y a des femmes de destinée. Il y a des femmes que vous rencontrez, il y a des gens que vous rencontrez, ce ne sont pas les gens de votre destinée. Il y a des gens, ce ne sont pas les femmes de votre destinée. J'aurai l'occasion de vous expliquer ça. Ce n'est pas les femmes de votre destinée. Elles sont là par intérêt. Par intérêt. Ou il est là par intérêt. Ce ne sont pas les gens de destinée. Donc, ces gens-là, ça ne va jamais marcher. Il y a des gens qui sont mis des alliances. Leur alliance, c'est par intérêt. Pour papier ou bien pour une relation, pour gré. Pour gré seulement. Demain, je vais revenir là-dessus. Il y a des gens qui se pourront faire amour. Demain, je vais revenir là-dessus. Je reviendrai là-dessus. Vous aurez l'occasion de voir tout ça. C'est biblique. Il y a tous les versets bibliques. Tout ce qui est dans la Bible, tout c'est biblique. Vous allez voir les versets bibliques que je vais vous donner. D'accord? Vous allez voir les versets bibliques. Vous allez voir, je vais vous donner des versets bibliques. De tout ça. Vous comprenez? Je vais vous donner tous les versets bibliques. Tous les versets bibliques. Donc, vous comprenez? Il y a des gens, c'est fait l'amour. Le mari, ça ne leur dit rien. Ou bien quand ils se marient, c'est par intérêt. Pour le papier, pour quelque chose, pour les enfants. Pourquoi l'argent? Oui, il y a des gens, mais des femmes, il faut les grès. 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 Je dis grave. Il faut les grès. Il y a des gens qui aiment ça. Il faut les grès. Elle a eu 5 maris. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas dit que le mariage, c'est ce qui marche. Aller à la mairie, là, c'est pas ça qui marche. Tombe sur l'homme de ta destinée, la femme de ta destinée. Priez de tomber sur la bonne femme et le bon mari. Quand une femme, un homme, c'est pas non, je me suis marié, non. Est-ce que tu es tombé sur le bon homme et la bonne femme? C'est ça le problème. C'est triste de tomber sur quelqu'un de bizarre. C'est quoi greffer l'amour? C'est en français ivoirien. Elle veut tout savoir. Oh là là, tu es curieuse, hein? Non, c'est... C'est une femme. Et il faut mettre bien ton nom. Hein. Ton nom, là, c'est pirate ou bien? C'est plus Bill, là. C'est une femme, hein? Il faut mettre ton nom bien, bien. Sinon, je ne vais plus te répondre. Voilà, vous voyez, parce que ça explique piraterie, là. Les gens qui ont les noms pirates dans sur Facebook, là, c'est comme ça. En tout cas, vos prières et dans un mauvais mariage, c'est un sérieux problème. Oui, c'est un sérieux problème. Ouais, vous comprenez? Alors, tomber sur un homme qui est bon dans votre famille, tomber sur un truc, vous comprenez? Donc, il y a des femmes, leurs antécédents spirituels, ça veut dire qu'il y a un souci. Sophonia Bill. Ouais, Sophonia Bill. Sophonia Bill. Ouais. Sophonia Bill. Symphonia. Ouais, c'est-à-dire ça doit vivre avec ça. L'amour, ça doit pas être un sens unique. Ça doit être réciproque. Monsieur et madame doivent s'aimer. Et puis le vrai amour, hein, c'est pas pour gré. Non, lui c'est embrasser, lui c'est faire l'amour. Quand il me prend la nuit, c'est bon. Non, on ne se base pas ça pour se marier. Sinon, tu seras déçu. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, cette femme-là, qu'elle a rencontré Jésus, elle en a eu 5 maris. Pourquoi elle vivait avec un autre mari? Jésus dit, tu en as eu 5 maris, mais celui avec qui tu vis n'est pas ton mari. Ça veut dire qu'elle a dit, elle était tellement déçue. Il y a des gens qui sont tellement déçus. Malheureusement, ils font des déviages sexuels. Vous allez voir des femmes, elles ont dit, non, je ne marie plus un homme, je vais aller marier une femme. C'est un danger. Une femme, c'est un danger. C'est un danger. J'ai tellement eu des hommes qui m'ont déçu, donc je préfère me mettre en couple avec une femme. Encore, c'est dangereux. Parce que tu te crées des problèmes avec Dieu. Une femme et une femme ne sont pas faits pour se mettre en couple. Le problème, il faut toi-même te faire une délivrance. Chercher à te délivrer. Parce qu'il y a des étincelles spirituelles. Dans ta lignée, ce n'est pas fait pour vous. Se marier. Dans ta lignée, ce n'est pas fait pour avoir le mariage. Donc, le problème, c'est que tu tombes selon ta destinée. Si les mauvaises personnes qui te mettent dans le goumet, donc, du coup, les gens décident, non, je me mets en couple avec une femme, et ça va marcher. Mais le diable aimerait que tu sois en contradictoire à la parole de Dieu. Mais ça va marcher combien de temps? Tu préfères désobéir la parole de Dieu, être en... Or, si Dieu n'approuve pas un mariage, le mariage dans lequel tu es, c'est diabolique. Et ça donne n'importe quoi. Non, je me suis mis un homme, donc je préfère mettre un homme. C'est n'importe quoi. Tu es moutou, tu es amiche, tu es... Que Dieu nous aide, excusez-moi. C'est moutou, amiche que tu es. Pourquoi tu es amiche que tu veux voir? L'homme est fait pour la femme. Et la femme est faite pour l'homme. Le reste, on dit non, il faut les protéger parce qu'ils sont rejetés de la société. Mais c'est contre nature, vous le savez très bien. Pourquoi vous voulez que le monde entier approuve ça? Je ne suis pas contre vos choses, mais je vous parle bibliquement parlant. Voilà, je vous parle de la Bible et je vous dis les vérités bibliques en tant que guide religieux. Je vous révèle les choses cachées, les choses peut-être pas cachées parce que c'est biblique. Je vous révèle ou je répète les choses bibliques. Alors, donc, voici ce qui se passe. Voilà, donc voici ce qui se passe. Nous devons, n'est-ce pas, nous battre pour se faire délivrer. Parce que si nous ne sommes pas délivrés, la chose va nous accompagner. Ça va accompagner. Il n'y a pas que le mariage. Il y a des gens dans leur famille, c'est l'esprit du vol. Vous allez remarquer, dans leur famille, ils ne font que voler. Ils font prison, c'est des voleurs. La fille, elle vole. Parce que les parents ont l'esprit du vol dans leur famille. Il y a l'esprit du vol dans leur famille. Il y a l'esprit de vol dans leur famille. Leur esprit, c'est l'esprit de vol dans la famille. Et ils volent. La fille vole. Le jeune homme, il vole. Il se plaint. On le met en prison. Plusieurs fois prison. Mais parce qu'il a hérité ça des parents. Leurs parents volent. C'est les esprits en vol. Ça dépend de l'esprit qui règne dans la famille. Vous comprenez? Réfléchissez, vous allez voir que vous avez connu comme ça des familles. Ou dans leur famille, c'est... Il ne vit que du vol. Vous allez voir que vous allez comprendre que ce que je suis en train de dire est vrai. Voilà, vous allez comprendre. Il y a des gens, dans leur famille, c'est des viols, c'est des violeurs. J'ai connu quelqu'un. Il y a des gens, c'est des violeurs. Vous comprenez? Je vais vous parler d'une histoire que j'ai vécue. J'ai vécu ça à Zaroko. On m'a envoyé un jeune homme, vous voyez? On l'appelle coin-pique. C'est-à-dire, lui, quand il voit, il coigne et puis il pique. Vous savez dire quoi? Les Ivoiriens sont terribles. Hein? On l'appelle coin-pique. On l'appelle coin et puis il pique. C'est-à-dire, tout ce qu'il voit devant lui, il voit son cercle comme une aiguille qui pique. Voilà, si je peux m'expliquer comme ça pour que vous puissiez comprendre. Excusez-moi, hein? Ce n'est pas parce que je suis vulgaire, mais pour vous amener à comprendre un peu ce que j'ai dit. Coin-pique. Ça veut dire quoi? Le jeune homme là, Le jeune homme, là, le jeune homme, qu'est-ce qu'il fait? Ce jeune homme, qu'est-ce qu'il fait? Il a un souci. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que le jeune homme fait? Quand les mamies passent, elles vont faire pipi dehors. C'est-à-dire, elles vont faire pipi derrière la maison. Lui, il grêle les mamies. Il grêle. C'est la mamie qui crie. Le jeune homme, il grêle une mamie. Une vieille de 89 ans, elle entend des grêles, ça. Il grêle, il grêle, il grêle. C'est un jeune de 23 ans qui grêle une mamie. 23 ans. Lui, c'est un mougou laissé. Un mougou pas. C'est les Ivoiriens qui disent ça. Il fait l'amour, c'est-à-dire il vient un expert en viol. Or, c'est dans tes saisons spirituelles, son grand-père fut l'un des plus grands violeurs de la famille. Je l'ai appelé, il a causé avec lui, il ne peut pas s'en passer. Malheureusement, il n'a pas voulu la délivrance, il est en prison de Divo. Ceux qui savent l'histoire, ils savent ça, ils m'ont dit, il est de Divo. Il est de Divo. Non, lui là, quand il trouve une vieille qui entend des trucs, quand il croise une vieille, il la croise, il mougou brille. Il prie mougou. Brimougou, ça veut dire que lui attrape, il grêle ça. C'est pas la vieille qui veut, il a une force. Non, 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 la vieille ne veut pas, c'est lui qui grêle. C'est plus fort que lui. C'est une malédiction. Je l'ai connu. Il a tombé en prison, il a pris, il a mandat de dépôt, n'a même pas encore jugé. Parce qu'il y a trop de dossiers sur lui. Il faisait taxi moto à Divo, n'est-ce pas, il faisait 23 ans. Oui, il y a un mougou pente dangereux, un bruit mougou. Son histoire est là. Mais lui-même, là, j'ai parlé avec lui, c'est pas de sa faute. Toute la famille reconnaît que ce monsieur-là, son grand-père paternel, c'est-à-dire le papa de son papa, avait son problème. Mais son papa, pourquoi papa n'a pas eu ce problème? Malheureusement, ça tombe sur quelqu'un, ça saute, c'est ça. Donc, c'est tombé sur lui. Eux, ils savent ça. Donc, comme ils savaient ça, je l'ai appelé. Mais le petit, lui, il aime ça. Il aime gré. Donc, il faisait taxi moto à Divo. Il a pris une femme de Iré, de Divo. Oui, je crois, de Zaroko à Iré, il a garé moto, il a brimougou et ça l'a mené en prison de Divo. Les gens connaissent l'histoire, ceux qui vont suivre cette vidéo, ceux de Divo, je ne dis pas le nom du gars, mais ils connaissent l'histoire, vous connaissez. Donc il y a des gens dans leur famille, c'est grêle, c'est viol, l'esprit de viol. Souvent les viols là, souvent les gens, mais c'est un esprit, hein. Souvent la drogue aussi, c'est un esprit, c'est dans la famille, la drogue là, vous voyez là, même fumer. Même fumer, là, c'est dans la famille. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est dans la famille. Même vol. Il y a des gens, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens dans la famille, ils volent. Ils sont des experts en vol. Ils sont des experts en vol. C'est des voleurs dangereux. Oui, c'est comme aussi l'alcool. J'ai eu l'occasion de revenir là-dessus. Il y a des gens, ils boivent petit, ils sont foutus. Ils sont... J'ai vu quelqu'un une année, là. J'ai vu un gars, j'ai dit, je suis tombé. C'est un responsable. C'est un responsable. Hein? C'est un comptable d'une grande boîte. Hein? C'est un responsable d'une grande boîte. Je l'ai vu. C'est-à-dire, moi, j'étais étonné. Quand sa femme est venue m'appeler pour le voir, j'ai dit, moi, j'ai pleuré. Sa femme pleurait. Je ne peux pas imaginer. C'est-à-dire, on l'a invité à une cérémonie, n'est-ce pas, de baptême. De son patron, c'est un de ses responsables. Or, lui, il est le responsable de la comptabilité dans le service. Lui, il ne boit pas. C'est-à-dire, on ne doit pas boire chez Dieu. Bon, lui, quand il prend l'alcool, quand il a pris l'alcool, il a pris une goutte de champagne. Il a sifflé. On l'a trouvé dans Caniveau. Quand je l'ai vu dans le salon, il dit zo mama, zo kaloué, zo mama, zo kaloué. Moi, mais ça va me pleurer, je pleure. Et ça après, comment ça arrive? C'est-à-dire, moi, connaissant l'histoire, j'ai commencé à prendre ça au sérieux. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, il y a des gens, c'est un problème de famille. Ce que tu vis là, tu penses que ça vient de toi. Non, c'est un problème héréditaire. C'est un problème héréditaire. Le célibat, c'est un problème héréditaire. C'est ce qui est en train de vivre. C'est héréditaire. On ne doit pas se marier sur toi. Donc, tu te rencontres avec quelqu'un, tu ne peux pas te marier. C'est du faux. Vous comprenez? Mais c'est triste, mais c'est comme ça. C'est des vices. Vous comprenez? Il y a des gens, leur famille, c'est des menteurs, c'est des mamailleurs. Il y a des gens, leur famille, là, c'est le nouveau mot de Facebook. On dit c'est le nouveau mot de Facebook maintenant, mamaille, la mamaille. C'est le nouveau mot de Facebook maintenant. Il y a des gens, c'est des mamailleurs. Quand ils te rencontrent, ils te mamaillent. Vous comprenez? C'est des grands arnaqueurs. C'est-à-dire, eux, dans leur esprit, là, c'est arnaque. Vous comprenez? Il y a tellement de choses qu'on a hérité bizarrement de nos parents. Ah, chez nous, on ne fait pas ça. Chez nous, on ne tousse pas la nuit. Chez nous, on ne balaie pas la nuit. Mais pourquoi? Chez nous, quand on balaie la nuit, ce n'est pas bon. Mais ici, on balaie la nuit. Ici, mais c'est la nuit, on balaie dans la rue. Ils ont l'argent que nous. Ici, on balaie dans la nuit. En Europe, là, on balaie la nuit. Ils ont l'argent. C'est comment? Nous, on est un pays pauvre, très endetté. Et quand un enfant naît, on doit lui mettre des choses, des amulettes, des colis, des amulettes. C'est amulettes. Je préfère mettre les amulettes que des colis. Colis, c'est trop joli. Amulettes. On met les amulettes, non, sans le touche. Il faut qu'on mette les choses. Vous comprenez? Les amulettes. Or, ici, là, ici où je vous parle, en Europe, ici, là, on ne met pas les enfants des amulettes au bras. Hein. Mais ils avancent, ils évoluent. D'ailleurs, même les enfants, là, c'est les autres personnes qui s'occupent d'eux. Ils sont à la crèche jusqu'à la maman la voit qu'il le soit. Parce qu'ils sont au travail. Hein. Non, 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 aussi on travaille. Hein. Il n'est pas lié à sa maman, tout ça. Mais l'enfant vole. Mais pourquoi nous, on est toujours en train de mettre les amulettes? C'est notre tradition. Chez nous, c'est comme ça on fait. Il y a des gens, eux, ils ne mangent pas celui. Chez eux, ils ont adoré l'eau. Tanoé, Nzoué, et tout ça. Vous allez monter jusqu'à vous allez descendre. Parce que les hôtels vous poursuivent. Je suis en train d'introduire. Je vous ai dit que ce n'est pas bien mon message. Parce que j'ai parlé de la puissance de la prière. Il y a tellement de choses qu'on a besoin de régler. Je suis en train de vous ouvrir les yeux. Donc, en réalité, tu peux être dans le Seigneur. On peut prier pour toi. Tu peux être pasteur. Tu peux être une prophétesse. Voici ton mariage aujourd'hui. C'est compliqué. À 3 mois, les bébés à la crèche, c'est super. Ça, ils ont bien réglé ça. Vous comprenez? Vous comprenez aujourd'hui? Ils ont réglé ça. Ah, il ne faut pas que l'enfant regarde un miroir. Mais pourquoi? Il est vilain, il ne faut pas qu'il sache qu'il est vilain. Il est joli, il ne faut pas que les enfants regardent dans un miroir. Les hôtels sont nos vrais problèmes. Ce qui fait que les gens avancent et nous n'avançons pas. Donc j'aurai l'occasion, on dit non, quand en Jésus on est délivré, mais c'est dangereux, il faut passer par la délivrance. J'aurai l'occasion d'expliquer tout ça. C'est vraiment quelque chose de très spécial. On a besoin d'être délivré. Il faut comprendre que le problème qu'on vit, les Occidentaux, ils ont leur réalité. Nous, on a nos réalités. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a eu leur histoire de la chasse aux sorcières. Et dans la chasse à la sorcière, dans cette chasse à la sorcière, il faut comprendre qu'ils ont pris le temps d'éradiquer, faire détruire les hôtels sataniques. Pour ceux qui ne savent pas, n'est-ce pas? Allez vous instruire. Allez vous instruire sur les différents combats qu'ils ont menés. Parce qu'ils ont compris que tout ce qui s'est lié à la magie, tout ce qui est lié au sens occulte, la sorcellerie, les adorations, la magie noire, il fallait détruire. Donc, ils ont détruit, mais sur la base de la parole de Dieu. Parce que l'inquisition, qu'on appelle l'inquisition, c'était un tribunal chrétien. Mais si vous voulez que c'était catholique, tu ne laisseras pas vivre une personne qui pratique la sorcellerie. Dans Exode 22, le verset 17, prenez la version parole de vie. Allez-y dans la version parole de vie. La version parole de vie, la version biblique parole de vie. Vous allez voir que ne laisserez pas prospérer, vivre la sorcière. Dans la version hébraïque, on dit que ne laissera pas prospérer la sorcellerie. Donc, ils ont pris le temps d'éradiquer tous ceux qui pratiquaient l'occultisme, la magie. Et c'est des choses qui étaient farouchement combattues, qui aujourd'hui tolérées. Mais dans l'ancien temps, même la France était basée sur le système catholicisme, vous le savez très bien. Tous les rois qui ont dirigé la France, tous ceux qui ont dirigé la France, tous ceux qui ont géré la France, toutes les lois étaient basées sur le catholicisme, les lois de Dieu, même l'Europe. Il y a eu, n'est-ce pas, un réveil spirituel. Et après, si vous voulez, il y a eu un moment si vous voulez, d'abandon de Dieu, et puis tout est venu après. Vous comprenez? Alors, donc, comprenons aujourd'hui que la seule chose dont l'Afrique a besoin d'une délivrance. Tu as besoin d'une délivrance. Ah, tu vas me dire, oui, mais tu as bien une délivrance. Le problème, c'est que les hôtels t'accompagnent partout. Là où tu dois réussir, il y a un problème. Il y a des gens dans leur famille, c'est la colère. Il y a des gens, ils ont hérité d'une colère familiale. Donc, tu ne peux même pas. Quand tu regardes le père, la mère, c'est la colère. L'enfant, il y a des gens qui ne peuvent pas parler dans leur famille. Personne ne doit parler. C'est comme des dictateurs. C'est comme un esprit qui règne dans leur famille. C'est-à-dire, ils se mettent en colère, ils se fâchent. Et puis, ils gâtent. C'est-à-dire, lui-même, il ne s'en rend même pas compte qu'il est en train de détruire une relation. C'est pour ça qu'on a décidé de faire un réveil spirituel, passer par une grande campagne d'évangélisation africaine. Nous allons visiter les villages. Alors, tous ceux qui ont des problèmes des hôtels sataniques dans vos familles, écrivez-moi 00337 30 87 48. Je reprends 0055 00337 55 30 87 48. Je reprends comme mon numéro 00337 55 30 87 48. Écrivez-moi et parlez-moi de votre histoire. Parce que nous allons commencer, nous allons rentrer en profondeur. N'est-ce pas? Nous allons rentrer en profondeur des esprits familiaux qui vous embêtent, des esprits qui vous emmènent, n'est-ce pas? De l'esprit de viol, l'esprit de viol. Il y a des gens dans leur famille, on viole. Il y a des gens dans leur famille, c'est des voleurs. Il y a des gens dans leur famille, c'est des célibataires. Il y a des gens dans leur famille, c'est la pauvreté. N'est-ce pas? Ils ne vivent que de ça, c'est des pauvres. Il y a des gens qui ne peuvent pas construire des maisons. C'est comme ça. Voilà, donc on hérite des choses de notre famille. Vous comprenez? Alors, ce sont ces esprits que nous allons essayer de voir pour briser ces hôtels sataniques. Rien ne peut ta vie. Tu es zélé dans l'église. Tu es bien dans l'église. Il y a des gens même qui sont bien, mais vous avez qui sont kleptos. Parce que dans leur lignée, c'est des voleurs. Voilà, pour y voir ce qui est insignifiant. Vous comprenez? Rien. Ce qui... Voilà. Donc, la femme, là, quand elle avait peur, elle a eu 5 femmes. C'est pas parce qu'il y avait un problème, hein. Mais le problème, c'est pas elle, hein. Mais c'était dans sa lignée. N'est-ce pas? Un, premier mari, deuxième mari, troisième mari, quatrième mari, cinquième mari. Elle a dit non, je veux le sixième mari, je veux m'accouder, mais quelqu'un. Elle dit, mais Jésus me dit, mais c'est pas ton mari parce que vous n'êtes pas légalement marié, vous vivez ensemble, vous n'êtes pas légalement marié, Jésus est vivant à cette personne. Même si vous mariez légalement à une personne, que vous n'avez pas pu régler vos intérêts spirituels au niveau de la famille, vous n'avez pas pu régler tous ces soucis spirituels, ou même l'homme, il faut regarder l'homme, régler vos problèmes spirituels, ça va vous poursuivre, ça va, et vous allez voir que même 10 ans, 20 ans, 30 ans en arrière, vous aurez des soucis spirituels et ça va vous détruire. Voilà, un matin, le foyer se détruit parce que vous avez vécu dans les faux. Vous allez voir qu'à un moment donné, l'esprit qui va influencer. Sauf là qu'il y a des actions, n'est-ce pas? Allons-y dans Luc. Allons-y dans Luc. Voilà, ce sont un introduit message. Hein. Voilà, il y a des gens quand vous mariez, vous ne pouvez jamais progresser. Luc combien? Luc, voilà, il y a des personnes quand vous mariez, il y a des femmes quand vous mariez, tout s'éteint autour de vous. C'est-à-dire, quand vous mariez, tout se détruit. C'est comme il y a des gens quand vous mariez aussi dans votre vie, tout se bloque dans votre vie. Vous ne progressez plus. Et ça, il faut pouvoir régler ça. On répond Luc, Marc plutôt. Marc 8, on répond le verset dont tu as dit. Marc 8, il est là. Non. Le verset, non, tu as dit. On parlait tout à l'heure, Marc. C'est Marc, c'est bon. Oui, allons-y. Marc 8, 23. 8, 23, oui. Non, on avait tous. Oui, 23, oui. Est-ce que ça va? Alors, Marc 8, 23. Donc, on était à... Puis, il lui conduisit... Oh, je reprends. Oui, allons-y, tu réponds. Donc, le verset 22. Il se rendit à Bethsaïda. Il s'est rendu à Bethsaïda. Et on amena vers Jésus un aveugle. On amena vers Jésus un aveugle. Qu'on le pria de le toucher. Qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main. Il prit l'aveugle par la main, excusez. Allons-y. Il le conduisit hors du village. Puis il conduisit Jésus hors du village. Plutôt au moins, Jésus conduisit l'aveugle hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux. Il a conduit l'aveugle hors du village. Vous qui aimez trop le village, c'est pas mauvais. Mais ma tradition me dit quand on est en Jésus, notre tradition, ce n'est pas forcément les choses bibliques. Jésus lui-même l'a fait sortir, l'aveugle de la tradition, du système du village, de tout ce qui est village, de tout. C'est vrai que ce n'est pas tout ce qui vient du village aussi qui est mauvais, mais on ne doit pas forcément se lier à une tradition, où on doit forcément appeler un ancêtre, verser libation, mon frère qui est mort, ma soeur qui est mort, n'importe quoi, sorcier que tu es. Non, Jésus l'a mis en dehors du village et il a commencé à prier. Tout ce qui est lié à une destinée, il y a une action prophétique. Jésus n'a pas commencé par la prière, il a pris la salive, il a appliqué ça sur les yeux. Parce que l'action, tout ce qui bloque votre destinée, il faut une action prophétique. Il lui imposa les mains. Il a pris la main, il a imposé les mains. Il lui demanda s'il voyait quelque chose. Si tu vois quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois des hommes. J'aperçois des hommes. Mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Comme des arbres qui marchent. Vous voyez, c'est pas la sorcellerie ça. Comment vous voyez, pensez qu'arbre peut marcher? Dit, je vois comme les arbres qui sont en train de marcher. C'est des arbres. Depuis quand arbre marche, chez toi, depuis quand arbre marche. Ça dit que toi-même, ta vision, tu as l'impression que tout ce que tu fais est bloqué, tout ce qui est bizarre, tu vois ça bizarre, tu ne progresses pas, c'est ta destinée, vous comprenez? Il faut sortir du système. Tu as un hôtel dans ta famille, il faut que ça soit brisé. Il y a quelque chose dans ta famille, il faut que ça soit brisé. Il y a les hôtels sataniques, il y a des choses qui sont bizarres, qui doivent être brisées et pour que toute ta vie soit restaurée. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il a remis encore les mains. Il fut guéri. Il fut guéri. Donc, dans la délivrance, il faut insister. Il faut persister, il faut insister. C'est ça qu'il faut être patient. C'est ça le problème, c'est ça. Voilà. Parce qu'il y a des gens dans leur village, là, il y a des gens qui sont comme des bourreaux. Il y a des gens dans leur famille, et c'est des gens qui aiment immoler et tuent les moutons du village. Il y a des gens, et sont eux qui tuent les sacrifices. C'est eux qu'on envoie, qui sont destinés à immoler tous les moutons. Ça veut dire que c'est les tueurs. Faites attention. Hein. Faites attention. Il y a plein de choses. Hein. Vous comprenez? Donc Jésus a dit, non, ce village-là, c'est un problème. Si j'ai pris pour toi ici, tu ne seras pas guéri. Donc il y a des endroits, quand vous êtes là-bas, vous ne pouvez pas être délivré. Vous comprenez? Il y a des systèmes dans lesquels vous êtes, vous ne pouvez pas être délivré. Donc la semaine prochaine, quand nous allons attaquer en mercredi prochain, parce que mercredi prochain, nous allons reprendre. Nous allons parler de ça à partir de mercredi à 16h. Mercredi 16h, mercredi 28 à 16h, 28 avril à 16h, nous allons reprendre l'enseignement. J'ai dit c'est 29, donc mercredi c'est 28. Nous allons reprendre l'enseignement et ça serait vraiment quelque chose de très propre et puissant. Ça va nous conduire dans une délivrance. Et cela, jeudi, nous allons avoir un jeûne de fruits. Jeudi jusqu'à dimanche, jeûne à fruits. Nous allons faire des jeûnes à fruits et ça va nous aider à rentrer dans une autre dimension. Voilà, donc on poursuit. Alors Jésus le renvoya dans sa maison. Jésus le renvoya dans sa maison. En disant, n'entre pas au village. N'entre plus au village parce que les liens sont brisés, vous comprenez? Donc le problème, il y a des choses qui nous fatiguent. Voilà, il y a des choses qui nous fatiguent. Le son est trop faible, d'accord? Ah, mais non, c'est ton téléphone. C'est ton téléphone qui a un souci. Voilà, c'est ton téléphone qui a un souci. Le téléphone a un souci. C'est à ton niveau qu'il y a un souci. Sinon, le son, il est bon chez moi ici. J'ai bien réglé. Alors, donc, il faut régler ce problème-là. Regarde, est-ce qu'il n'y a pas des intentions, spirituelles au niveau de ta femme, de toi, de ta vie? Qu'est-ce que les parents ont fait? Quelles sont les réclamations qui se font? Tout ça. Pour que il y ait souci. Alors donc, prions. Il y a un problème. Surtout qu'il y a une différence parce qu'il y a des hôtels qui crient contre nous. Il y a des familles, on ne doit pas évoluer intellectuellement. Malgré, il y a des choses, dans des endroits qu'on ne doit pas avoir comme truc. Donc c'est vraiment un souci. Il y a un souci. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de retard. Quel que soit ton niveau que tu as un niveau intellectuel élevé, mais j'ai un retard dans ton évolution. J'ai un niveau intellectuel dans ton évolution. J'aurai l'occasion de démontrer ça. Et puis j'aurai l'occasion de vous expliquer les actions. Il y a les actions prophétiques. Je vous dis aujourd'hui, Jésus n'a pas commencé Oui, le sang est propre. Hein. Ceux qui sont en train de dire non, le sang est propre, là, on dirait que c'est les esprits qui sont en train de dire. C'est les démons de votre famille là, qui vous empêchent. Non, c'est la vérité. C'est les démons de votre famille là. Les démons, les arbres, les rivières de votre famille là, qui vous empêchent d'écouter. Hein. Ça, je vous dis la vérité. Sinon, le sang, il est propre ici. Alors, vous allez comprendre que les esprits bloquent votre destinée et vous empêchent d'évoluer. Vous comprenez? Vous empêchent d'évoluer, vous empêchent d'aller de l'avant. Il faut réfléchir. Si tout le message, l'enseignement qu'il vient de donner, ce n'est pas un enseignement, c'est l'introduction du message. Ça, c'est déjà l'introduction de l'enseignement. Vous comprenez? Donc, en réalité, il n'y a qu'une famille africaine où on ne s'est pas donné à l'idolâtrie. Il n'y a pas. Or, dans Exode 20, la Bible dit, n'est-ce pas? Allons-y, chérie. Exode 20, à partir du verset 4. Exode verset 20. Écoutez-moi très bien. Je vais vous enseigner, ne vous inquiétez pas. Je vais aller pas à pas pour vous enseigner. Toi, tu es dans une vie de couple et puis toi, tu n'es pas heureuse. Je ne suis pas heureuse. Tu es malade ou bien? Toi, tu es dans une vie de couple, ton mari s'occupe de toi, il est bien, il s'occupe de toi, il respecte tes enfants et tout ça. Et toi, tu ne veux pas accepter ses enfants. Tu es sorcier ou bien? Tu es sorcier? Ce n'est pas une question qu'il s'est préparé ou il s'est gré. Non, il faut respecter son mari et respecter ses enfants. À permettre que ses enfants, de toute façon tu aimes ton mari, il faut respecter ses enfants. Et la femme aussi, l'homme aussi doit respecter sa femme et respecter ses enfants. Ça ne doit pas être dans un sens unique. L'amour doit être propre, pas dans un sens unique. Exode 20, à partir du verset 4. Oui. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te feras pas d'image taillée. Ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. Ni les choses quelconques qui sont en haut dans les cieux. Qui sont en bas sur la terre. Qui sont en bas sur la terre. Et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Plus bas que la terre. Amen. Je continue. Tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne te prosterneras pas devant elle. Et tu ne les serviras point. Tu ne les serviras point. Car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Qui punit l'iniquité des pères. Qui punit l'iniquité des pères. Sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Sur la troisième et la quatrième génération. De ceux qui me haïssent. Très bien. Vous avez, on dit Dieu punit l'iniquité. Donc, la famille idolâtre, la plupart des Africains. Ils sont issus d'une famille idolâtre, vous comprenez? Les gens, ils disent Dieu punit l'iniquité des pères sur les fils. Ça veut dire que généralement, ce n'est pas ceux qui ont adoré, mais ceux qui ont hérité, c'est eux qui héritent aussi de la malédiction. Il y a des gens qui ont hérité d'un trône, d'une rivière sacrée, d'une forêt sacrée. Dieu ne dit pas, ce n'est pas eux qui ont initié les propulseurs de cette adoration qui sont frappés, mais les descendants. C'est pour cela qu'il faut prendre ça au sérieux. Si tu es dans une lignée des gens qui ont adoré des masques, mon frère, ton visage sera toujours voilé. Vous comprenez? Ta maman elle est morte veuve, ça veut dire que le veuvage en Afrique, vous comprenez ce que ça veut dire? Tu es toujours enfermé dans une maison. Si tu es né d'une femme, d'une veuve, une femme qui n'a pas fini son veuvage, qui est morte, sans faire de veuvage, sans finir son veuvage, ça veut dire que les enfants qui vont sortir d'elle ou de cette maison, tout est bloqué, fermé, parce que c'est un voile qui va venir. Vous comprenez? Donc, ça fait tellement de choses qu'on a besoin de régler. Frère, il y a trop de choses qu'on a besoin de régler. Il y a trop de choses qui nous fatiguent. Les liens ancestraux, les malédictions ancestrales, tous nos problèmes, ça vient de là. Vous comprenez? Ça vient un peu de là. Il faut que Dieu nous délivre. J'ai parlé de la puissance de la prière. Parce que cela va déclencher en nous nos révoltes dans la prière. Et parce que la délivrance, ça se désire. On se dit, non, il faut qu'on soit délivré. Regarde comment toi, une femme comme ça, une belle femme, tu rencontres un faux type. Regarde comme toi, un beau homme, tu rencontres une fausse femme. Et vous rencontrez une personne, et votre vie, votre destinée est bloquée. Tout commence au ralenti, tout bloque, tout n'avance pas. Tu rencontres aussi, c'est comme ça. Ça dépend de la personne que tu rencontres et son antécédent spirituel. Oui, l'antécédent spirituel compte beaucoup. C'est pour cela que quand vous voulez vous mettre en couple avec quelqu'un, cherchez à savoir sa vie, son antécédent spirituel. Comment la personne a vécu, qui est son antécédent spirituel. Et ça, c'est important, afin de pouvoir régler ça. Vous savez, Jésus, quand il a rencontré la personne, il n'a pas délivré parce que le village où cette personne était, ce village était contrôlé par les esprits. Il fallait sortir. Sors de ta tradition. Sors de ta tradition. sors de ta tradition, épouse la vision de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu n'a rien à voir avec nos traditions. Nos traditions sont démoniaques la plupart du temps. Et souvent on nous impose ça, il faut faire, c'est la tradition, tu as trouvé ça comme ça, mais ça t'a envoyé où? Même ton papa qui parle de ça, ta maman qui parle de ça, ça l'a envoyé où? Ça l'a envoyé où? Ça l'a envoyé quoi à l'Afrique? Ça l'a envoyé quoi à l'Afrique? C'est pas une question, c'est une question de faire la volonté de Dieu. Il y a des choses qu'on essaie de faire. Ils doivent toujours des moutons, des cabris, à des conneries, et puis nous aujourd'hui on est en retard. Malheureusement on est en retard. Et vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit tout à l'heure dans Ésaïe 66, le verset 3, malheureusement, quand on offre un mouton, un cabri, et une chèvre quelque part, sur un autel, c'est un homme qu'on sacrifie, malheureusement. Combien de fois les gens, nos parents, participent à tout ça? Ésaïe 60? 66. 66. Nous sommes là toujours, non, c'est ma tradition. Non, je ne peux pas laisser ma tradition. Tu ne peux pas laisser ta tradition. Ta tradition, là, c'est quoi? Ésaïe 66, verset 3. Ésaïe 63, le verset 6. Celui qui immole un bœuf. Celui qui immole un bœuf. Est comme celui qui tuerait un homme. C'est comme celui qui tuerait un homme. Mais il y a quel rapport? En tuer un homme et même un bœuf. La Bible dit que celui-ci, vous immolez un bœuf. Mais ça ne veut pas dire que celui qui est à l'abattoir. Ah non, ça, on ne tuera jamais de bœuf. Non. Mais le bœuf qui veut dire, le bœuf que tu sacrifies. Parce que le sacrifice ciel, le sacrifice que tu fais, ça, vous allez me dire, non, donc il ne faut plus qu'on tue un bœuf. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Non, 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 non. Pour bien comprendre ce verset, ça dit qu'on te demande, donne-nous un bœuf en sacrifice. Voilà. Donc le sacrifice devient un problème. Pas le bœuf pour manger, non. Le bœuf pour manger qui n'est pas un sacrifice, ce n'est pas un problème. Le mouton pour manger, pour s'alimenter, c'est pas un problème. Mais dès lors où le bœuf est identifié comme un bœuf de sacrifice, c'est un problème. C'est un être humain qui vous tue. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, donc, au lieu de tuer les moutons, tout ça, lui-même, il vient comme un sacrifice unique. On ne doit plus offrir maintenant un sacrifice comme un mouton. Lui-même, il devient l'agneau de Dieu, il meurt à la croix et puis c'est fini. Le reste, c'est fini. Vous comprenez? Est-ce qu'on m'a bien compris? Donc, vous allez me dire, non, donc, il ne faut plus qu'on tue, non. Mais on va manger, donc, il ne faut plus qu'on mange tout ce qui est fait. Non, ce que tu manges, n'est-ce pas, la viande, tout ça, ce n'est pas un problème. Mais le fait même de prendre un mouton pour dire, c'est un sacrifice. C'est ce sacrificateur. Le sacrifice là plutôt, l'esprit de sacrifice derrière. C'est ça qui est le danger. Amener à la rivière, amener à la montagne, amener, n'est-ce pas, à la chaise royale. Amener, c'est ça qui est le problème. Aller adorer la rivière avec une chèvre, comme ça ne marche plus, tout est bloqué. La Bible dit, celui qui offre un sacrifice là, il entend de tuer un homme. C'est comme si tu es une personne. On y va, chérie. Je continue. Non, je reprends. Alors, Ésaïe 66, verset 3. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui immole un bœuf en sacrifice, est comme si celui qui tue un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui rompait la nuque à un chien. Très bien. Donc, vous comprenez? Donc, ça veut dire que quelque part, il y a un souci. Quand on tue, il y a un problème. Un bœuf, un truc, vous tuez les sacrifices. On dit non, donne un bœuf en sacrifice, donne un mouton en sacrifice, donne un sacrifice, donne ceci, un sacrifice. C'est toi-même qui dis-moi le sacrifice. Et malheureusement, toi-même, tu te manges. Alors, on va arrêter là. Voilà, on va arrêter. Lisez bien la parole de Dieu. Il y a tout dans la parole de Dieu. Et ce séminaire là, de la semaine prochaine, je vais vous révéler beaucoup de choses. J'ai commencé à vous ouvrir les yeux. J'ai commencé à vous ouvrir les yeux. C'est pour ça que frère, ton argent doit être un sacrifice pour Dieu. C'est pour ça que les gens ne peuvent pas leur dire, mais je comprends parce que vous êtes satanique. Vos parents n'ont jamais. Pour quand il s'agit de bœufs, vous payez. Hein. Quand de bœufs, les offrandes pour donner. Les offrandes pour donner aux moutons, aux diables, aux marabouts, ça vous êtes zélé pour ça. Les gens dont l'esprit de pauvreté et l'esprit démoniaque est dans leur vie, ils ne s'alignent jamais. Ça dit tout ce qui est dit, tout ce qui est offrande de Dieu, ça ne leur intéresse pas. Ça ne s'occupe pas de ça. Je comprends parce que vos parents sont démoniaques, ils ont un esprit démoniaque. Tout ce qui est pour Dieu, là, ça ne vous intéresse pas. Là, je comprends. Mais ceux qui sont de Dieu, ils comprennent que Dieu est lié aussi aux offrandes et la dîme. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons poursuivre la semaine prochaine. Voilà, mais demain, aux environs des 16h, demain c'est dimanche, ça sera le culte. Demain, ça sera 16h, le culte sera 16h. Regarde un peu ta vie, regarde aujourd'hui. Tu as vécu avec un homme, regarde l'âge que tu as aujourd'hui, tu es tombé sur quelqu'un, tu n'arrives pas à comprendre. Mais cela peut-être ne vient pas de lui. Peut-être que tu l'accuses, ça peut peut-être venir de toi. Ou tu es tombé plus sur quelqu'un qu'il ne fallait pas. Ça dépend aussi des hôtels du messieurs ou de ta vie. Voilà, c'est ce que je veux te faire comprendre. Que la plupart du temps, ce n'est pas souvent de ces gens qu'on rencontre, ça peut être de nous, ou bien ça dépend de l'ascendance spirituelle. Ça vient de loin, ça vient de très loin. Et ça nous fatigue. Ça nous fatigue, ça nous fatigue. Aujourd'hui, les gens même qui sont autour de nous, dans notre entourage, ils n'arrivent pas à saisir, à cerner le problème. Ça, il faut arriver à cerner le problème. Aujourd'hui, on vit. C'est dangereux de vivre un domaine. C'est-à-dire que tu vis avec quelqu'un, tu fais des enfants, lui, 2, 3, 4, 5, 6 enfants, et puis tu réalises que non, ce n'est pas l'homme de ta vie, et puis vous séparer. Goumer de ça, c'est dangereux. Voilà, goumer de ça, c'est très dangereux. Vous comprenez? Et puis, en même temps, quand vous dormez, vous avez l'impression de voir. Voilà, vous avez l'impression. Demain, j'aurai l'occasion de vous dire des points, les points essentiels sur l'esprit de la sorcellerie. Je reviendrai sur beaucoup de choses. Voilà, voilà. Je vous dirai les choses sur beaucoup de choses. Par la grâce de Dieu, sur beaucoup de choses, vous allez comprendre beaucoup de choses. Voilà, donc il y a plein de choses. Il y a plein de choses que j'aurai l'occasion de vous expliquer. Beaucoup de choses que j'aurai l'occasion de vous expliquer par la grâce de Dieu. On a besoin de comprendre. Voilà, quand tu as vécu dans une village où tes parents étaient guerriers, des rebelles, tu vas toujours vivre dans une vie de rébellion. Voilà, tu as toujours vécu dans une vie de rébellion, c'est comme ça. Donc, on a besoin de ça. C'est pour ça qu'il y a un retard. Parce qu'il y a des familles qui n'ont jamais devenu riches. Il y a des familles où il y a toujours manque. Il y a des familles, il y a des femmes dans leur famille qui ne doivent jamais se marier. Il y a un esprit de sorcellerie. C'est eux qui doivent régner, tout ça. Frère, il y a trop de choses. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il faudra faire? C'est la question qu'on se pose toujours. On aura l'occasion d'ouvrir l'église très bientôt par la grâce de Dieu. On aura l'occasion d'ouvrir l'église et on aura l'occasion de vous recevoir dans cette salle à Vitry-sur-Seine pour procéder à des délivrances, n'est-ce pas? Mais venez déjà poser vos situations sur mon WhatsApp 00337 55 30 87 48. Voilà, donc, votre préoccupation, envoyez ça sur WhatsApp déjà pour qu'on puisse déjà vous donner une orientation, mais tout qu'on fait, il faut qu'on puisse se voir, parce qu'il y a des actions prophétiques qu'on a besoin forcément, impérativement de se voir pour prier. Et non, notre souci aujourd'hui, c'est parce que l'église est fermée sur Paris, voilà les lieux de culte, donc on a besoin de cette ouverture et on aura l'occasion de voir. Le problème des gens, vous êtes en Europe ici, mais les choses vous poussent, c'est comme si vous voulez, c'est comme les oiseaux en cage, qu'on enlève en Afrique, qu'on envoie ici, mais qui est toujours en cage. C'est ça votre vie. Donc votre situation reste pareille. C'est-à-dire que vous avez changé seulement de lieu. Mais la malédiction reste, mais sur une autre forme. Hein. Elle est sur une autre forme, dans un autre secteur, dans un autre, sur notre continent, mais sur une autre forme. La preuve, c'est que tu n'évolues pas. Il y a l'esprit de stagnation dans ta vie. Il y a l'esprit qui te bloque et tout ça. Et regarde ta vie. Pourquoi les maladies bizarres? Il y a des maladies qui sont typiques aux Africains. Voilà, parce qu'il y a un esprit des eaux, il y a un esprit de mari, dans ta vie, et femme-mari dans ta vie. Et donc, il y a des fibromes, il y a des choses bizarres qui t'arrivent. C'est pour ça qu'on a besoin d'être délivré, frère. Je vous dis la vérité, c'est une nécessité. Si vous sentez ça, vous allez tomber sur des faux types. Vous allez tomber sur des faux. Mais j'aurai l'occasion de vous expliquer clairement. Regarde ton parcours intellectuel propre, ton parcours scolaire propre, ton parcours, n'est-ce pas, propre. Mais regardez la fin. Oh, la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que ton commencement. Tu as fait quoi? Tu es devenu quoi? Voilà, c'est ça le problème. Tu es devenu quoi? Qu'est-ce que tu es devenu? Rien. Rien du tout. Rien du tout. Tu es devenu quoi? Tu es devenu quoi? Tes enfants sont devenus quoi? Pose-toi des questions. Dis-toi qu'il y a problème. Et là où il y a problème, Jésus en est la solution. C'est là que je veux te rafraîchir la mémoire. Jésus en est la solution. Il peut régler tout ça. Il peut nous aider à sortir de tout ça. Nous avons besoin de la sorcellerie. Pourquoi les gens nous regardent d'une manière bizarre? Parce qu'ils savent. Il y a des hôtels. Il y a les hôtels en Afrique, il y a des choses qui crient. Les masques. Comment passer toute vos vies? On dit l'héritage, donc ton héritage c'est masque, ton héritage c'est temps, ton héritage c'est masque, et son héritage, soit les dorés tel mort, soit les dorés. Mais ça nous apporte quoi? Ça nous apporte quelle évolution? Et quand vous parlez de Jésus, quand on dit c'est l'histoire des blancs, c'est pas une question des blancs. Jésus-Christ n'a rien à voir avec une race, une ethnie quelconque, ou même peuple. Jésus, c'est le salut du monde entier. Et quand on a Jésus, on est véritablement délivré. on a la délivrance, on a Jésus, je l'ai expérimenté. Et si tu veux faire l'essai, tu ne seras pas déçu à Saint Jésus-Christ. Comme sauveur et Seigneur personnel, tu ne seras jamais déçu. Si tu veux, accepte-le. C'est une expérience et tu ne seras jamais déçu. Jésus en est la solution de ton problème. Le problème aujourd'hui est là. Mais tu cherches une solution. La solution elle est là. Elle te tend la main, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Il n'a pas menti. Il est la vérité. Il est la vie. Il peut encore te donner cette vie-là. N'est-ce pas? Il peut encore te faire sortir de ce problème de gourmand, de ce problème de non-mariage, de non-aboutissement, de l'esprit de stagnation, de toutes ces maladies compliquées t'arrivent et des situations bizarres. Soyez bénis, je vous aime, prophète Joël Krasso. Écrivez-moi au 00337 55 30 87 80 87 48. Je réponds 00337 55 87 48 00225 47 07 23 28. Prophète Joël Krasso, shalom à vous. Écrivez-moi sur mon mail joecrasso@gmail.com.